Ok, pardon. Bonsoir. Et du coup, dites-moi si vous m'entendez correctement. Si le micro est à peu près bien calibré pour vous. Oui, on me voit. Bonjour. Ok, bah, je m'entends moi-même. Formidable. Ok. Ok, et ben du coup, sans surprise. Bon, je me vois sur trois écrans différents, c'est très perturbant. Alors, on va reprendre où on était la dernière fois. Donc, comme la dernière fois, je vais vous faire un petit rappel de ce qui s'est passé précédemment dans Troubles dans le genre. Que s'est-il passé? Alors, donc, on est toujours dans la partie 1, donc de Troubles dans le genre, de Jake Butler. Et donc, cette partie 1, elle est dédiée à la discussion du sujet politique femme du féminisme. Elle est dédiée à l'explication du complexe sexe, genre et hétérosexualité. Et le tout est beaucoup réfléchi avec la question du langage et axé bien évidemment sur la problématique de l'identité personnelle. Donc on avait une première partie, enfin une première sous-partie, qui commençait par la critique de la notion de représentation en juridique, en politique et plus particulièrement dans le cadre du féminisme, évidemment, parce que c'est ça qui intéresse Butler. Et donc le problème de la représentation pour Butler, c'est que en fait elle est excluante, elle est normative, qu'on s'en est bien aperçu en féminisme et que ça fait débat. Tout va toujours bien. Que ça fait débat, mais qu'on continue en fait à vouloir unifier le mouvement sous le terme femme en l'élargissant toujours plus. Et pour Butler, certes, on peut pas faire autrement d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue politique, enfin politiquement d'un point de vue pragmatique, parce que c'est la structure actuelle telle qu'elle est, c'est comme ça pour se faire entendre. En fait, on passe par la structure de la représentation dont on a parlé pendant les précédents lives, mais n'empêche que on veut pouvoir critiquer la représentation quand même, parce que ça serait bien de dépasser ces contraintes et au moins d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'endroit de la représentation. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour Butler? Eh bien, on va chercher à montrer comment les catégories identitaires de sexe, genre, sexualité sont produites politiquement, ce qu'elles soutiennent et ce qui les fait se maintenir dans le temps. Donc ensuite, on passait à une partie qui était assez courte et qui s'intéressait à la question de la distinction sexe-genre. Butler disait, il y a plusieurs conceptions de cette distinction sexe-genre. Alors premièrement, de manière un peu superficielle, il y a la version le genre, c'est un phénomène naturel culturalisé. C'est comment différentes cultures dealent avec les faits biologiques. Et le problème de ça pour Butler, c'est que sous couvert d'émanciper, de s'émanciper, d'émanciper, pardon, le genre du biologique, donc du sexe, ça contribuait à rabattre le genre sur le prétendu binarisme naturel. Et ça ne prenait pas en compte le fait que le genre n'est pas l'interprétation de trucs biologiques. C'est même assez peu ça, en fait. Du coup, une version plus avancée de la distinction sexe-genre, ou en tout cas de la compréhension de cette distinction, pour Butler, c'est que, en fait, la distinction sexe-genre, elle est aussi une production du phénomène du genre, et que donc, il n'y a que du genre. D'ailleurs, à ce propos, je vous avais fait un petit schéma, je vous remets tout de suite, il faut que je le trouve, avec le livre, voilà. Je vous avais fait ce petit schéma-là pour vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est le premier, là. Attendez, je vais me mettre sur le... Voilà. Donc, sur le premier, ici, sexe, vous voyez sexe et S et G qui se font face avec une sorte de relation de réciprocité. Donc ça, c'était un peu la version simpliste, on va dire. Et puis, ensuite, avec la version de Butler, avec... on passe plutôt au schéma du dessous, vous voyez là, c'est-à-dire que la distinction
sexe-genre est aussi une production du phénomène du genre. C'est pour ça que je vous l'avais encadré dans un petit rectangle et que je vous avais mis en fait, je vous l'ai fait là récemment en fait, je vous avais pas fait ça la dernière fois au dernier live, mais il me semblait intéressant de vous le schématiser comme ça. En gros, la version plus avancée de Butler de la distinction sexe-genre ou de la compréhension des relations entre sexe et genre, c'est en fait la distinction sexe-genre est une production d'un phénomène général appelé genre. Voilà. Alors, donc ça, c'est quelque chose qui a été pas mal réfléchi dans le féminisme et dans les études de genre, et globalement, c'est les travaux qui portent sur l'histoire de la biologie du sexe. Ce qui menait Butler à dire, ce qu'on doit se poser comme question, c'est comment le genre naturalise une partie de lui-même qu'il appelle sexe. Donc en gros, il faut comprendre non pas ça, le petit g, mais le g extérieur qui projette du genre et qui naturalise le sexe pour se cacher lui-même, on va dire. Ok, donc là, ensuite on passait à une partie vachement plus longue et assez technique en fait d'un point de vue philosophique, parce qu'elle abordait deux penseuses féministes, donc Simone de Beauvoir et Lucie Rigaray. Et le but de cette partie pour Butler, c'était de dire le problème du féminisme, c'est qu'il ne s'est pas encore débarrassé de la notion de sujet comme identité préexistante aux actions et interactions d'un individu. Le féminisme, il est encore pour Butler en adéquation avec un truc problématique pour Butler, donc la pensée occidentale humaniste qui projette un sujet pensant, rationnel, conscient, responsable, qui se trouverait être dans un corps. Qui est le corps, donc une sorte d'attribut secondaire du sujet. Donc on avait des détails sur la dialectique de Beauvoir. Alors je vais vous remettre ça en image. Hop. Donc ça c'était un peu ce que je vous avais montré la dernière fois comme schéma, où on voit effectivement... hop là, faut que j'élargisse un peu. On voit en haut la dialectique selon Beauvoir. Alors... Donc vous avez cette opposition entre quelque chose qui serait un sujet et qui correspondrait donc à l'homme, et en face, le petit autre qui sert à la construction du sujet dans une sorte de relation dialectique, mais avec une réciprocité qui est asymétrique, parce que justement, la femme se trouve dans une situation où elle n'est pas considérée comme un sujet. Et du coup, elle est considérée comme inférieure. Et ça produisait un féminisme qui tendait à dire, eh bien en fait, il faut amener le côté autre et le côté féminin de cette dialectique à une dignité de sujet universel de type pensée occidentale, humaniste, tout ça. Voilà, et puis donc il y avait toute cette histoire de distinction entre le corps et l'âme, avec le fait que Beauvoir n'arrivait pas à dépasser cette distinction. Une distinction qui était problématique, puisque, a priori, elle comprend en elle-même une forme de hiérarchisation, et si on ne s'en débarrasse pas, malheureusement, on risque d'avoir encore des phénomènes de hiérarchisation et de domination, et donc ça, il faut faire particulièrement attention pour Butler. En fait, si on suivait un peu l'argumentation de Butler, on tombait sur Irigaray et on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'ouverture quand on lisait Irigaray pour Butler, un genre d'espoir, parce que dans les théories d'Irigaray, sachant, je le rappelle, que Irigaray, c'est tout ce qu'il y a de plus essentialiste, avec un énorme focus sur le sexe biologique et surtout sur les parties génitales. Donc évidemment, Irigaray, c'est une critique de la psychanalyse, notamment Freud et son obsession pour les explications à base de pénis. Et là, ok. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait... Super, ok. Donc, Marie, tu m'avais dit que ça s'était arrêté à une histoire de pénis. Ok, donc on va repartir sur l'histoire du pénis. Où est-il ? Ah, il est parti par là. Donc je faisais un rappel sur Irigaray que, en disant que effectivement on avait l'impression que pour Butler on avait une sorte d'espoir pour la théorie féministe dans le sens où... Ah mais attendez, je vous ai un peu déplacé du coup le focus. Bon, c'est pas grave.
parce que j'ai été un peu plus loin. Je suis perdue dans mes fenêtres. Voilà. Donc, en fait, chez Irigaray, vous avez cette structure où, en fait, la dialectique qu'on avait chez Beauvoir entre le sujet et l'autre, qui est, en fait, pour Irigaray, une production d'un appareil un peu externe, qui serait, en fait, la masculinité. Et donc, ça serait l'un comme l'autre, le sujet comme son autre, donc le masculin comme le féminin, sont une production, une sorte de production totalisatrice masculiniste. Et donc on avait cet espoir-là de sortir de cette dialectique et de ce truc un peu universaliste qu'on avait chez Beauvoir, en se disant en fait, c'est pour ça que j'avais un peu dézoomé, c'est pour vous montrer qu'on a une sorte de dépassement similaire entre la question de la distinction sexe-genre ou de la totalisation de la distinction sexe-genre par le genre. Parce que, en fait, ici, le premier, la distinction sexe-genre, on a une sorte d'équivalent chez Beauvoir avec, tout ça, c'est une sorte de rééquilibrage, il faut dealer avec cette distinction entre l'homme et la femme, et il faut arranger un côté pour le rendre mieux considéré, pour mieux le représenter. Et du côté de la distinction sexe-genre, mais produite par le genre, eh bien on aurait une sorte de dépassement chez Irigaray qui serait le sujet comme son hôte sont une production masculiniste, et eh bien peut-être que on a une équivalence entre le regard masculiniste chez Irigaray et la production du genre de l'autre côté. Vous m'écoutez, Jean de Patmos, bien aimable. On a fini de rappeler ce qui s'est passé pendant les deux derniers lives précédents. On a déjà pris un peu de temps, comme ça, à couper. C'est pas grave. Bon, on va essayer d'avancer autant que possible. Donc là, on arrive à notre petit C de la grande partie numéro 1. Donc, théoriser le binaire, l'unitaire et au-delà. Donc là, il n'y a pas encore tout à fait les petites notes. Alors, je me remets dans mon Krita. Donc, alors, on va aller jusqu'à signification. Donc, on fait comme d'habitude, pour les nouveaux. On lit un passage et je l'explique en le reformulant, en ajoutant des petites contextualisations si c'est nécessaire. Voilà. Alors, donc, je lis. Beauvoir et Irigaray divergent clairement sur la question des structures fondamentales par lesquelles la symétrie de genre est reproduite. Beauvoir se tourne vers la réciprocité manquée d'une dialectique asymétrique, tandis qu'Irigaray suggère que la dialectique est elle-même l'élaboration monologique d'une économie masculiniste de la signification. Donc là, on a un résumé de ce qui précède. Je pense que c'est le navigateur de Erin qui a bugué. Pardon, donc je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de nouveaux problèmes. Donc alors je disais, ici, dans cette première, dans ces deux premières phrases, on a un résumé de ce qui précède qui est très clair, en fait. D'un côté, on a Beauvoir et la dialectique asymétrique, a priori, à corriger comme combat pour le féminisme, et de l'autre, vous avez Irigaray et l'idée que la dialectique elle-même est un produit masculiniste. Et il n'y a de possibilité qu'en dehors de la dialectique. Donc voilà, pour une fois, on a une phrase très claire chez Butler qui résume très bien. Continuons donc. Alors, je vais vous remettre le petit signe suivant pour est-ce qu'on s'arrête. On va s'arrêter ici. Irigaray élargit les structures épistémologiques, élargit incontestablement la portée de la critique féministe en dévoilant les structures épistémologiques, ontologiques et logiques d'une économie masculiniste de la signification, mais la force de son analyse se trouve justement limitée par sa portée globalisante. Est-il possible d'identifier une économie masculiniste monolithique et monologique à travers la diversité des contextes culturels et historiques dans lesquels apparaît la différence sexuelle ? L'incapacité à reconnaître les processus culturelle spécifique de l'oppression de genre elle-même n'est-elle pas une forme d'impérialisme méthodologique ? Donc, en fait, là on est au moment tragique où Butler met un énorme coup de balai sur tout l'intérêt qu'elle pouvait avoir pour Irigaray. Parce qu'elle dit en fait, Irigaray, d'accord, elle pousse encore plus loin l'analyse féministe, elle lui donne une grande portée, et en même temps, cette grande portée, elle est problématique. Déjà, parce que
l'aspect globalisation, et surtout globalisation pour Butler, qui semble faire retomber du côté des thèses type patriarcat universel qu'on n'avait vu que Butler les critique, et qui sont de toute manière très, très critiquées pardon, au sein du féminisme. Et en plus, elle y voit toujours les problèmes de l'universalisme qu'on avait déjà mentionné, donc c'est la porte ouverte à l'impérialisme, autant hétérosexuel que occidental blanc. Donc au final, Irigaray, c'est bof, même si c'était prometteur par certains aspects. Donc au final, vous voyez, on va pas la garder très très longtemps, Irigaray, même si on en reparle un petit peu après, il me semble. Alors, ok, tout se passe bien de votre côté, donc on va continuer. Alors, pour s'en garantir, tournons la page, il ne suffit pas de concevoir les différences culturelles comme des exemples du même phallogocentrique. Vouloir inclure d'autres cultures comme autant de développement d'un phallogocentrisme global, c'est commettre un acte d'appropriation menaçant de conduire le geste expansionniste propre au phallogocentrisme, soit coloniser sous le signe du même les différences susceptibles de mettre en question ce concept totalisant. Donc là, on s'arrête. Ok, donc là, c'était peut-être une phrase un peu touffue, mais il faudrait baisser la page. Toutes mes excuses, je baisse la page. Hop, nous y voilà. Désolé, on va reprendre les bonnes habitudes. Elle est un peu floue qui plus est. Bon. Alors, donc pour vous résumer, donc, on retrouve notre fameux problème de l'universalisme en féminisme chez Irigaray. En fait, c'est réduire l'autre au même. Donc, les cultures qui ne sont pas les productrices du féminisme, par exemple, on les réduit à ce qu'on pense de notre propre culture, quoi. L'autre devient en fait le produit de celui qui en parle depuis l'extérieur. Du coup, on se retrouverait en féminisme dans la même dynamique que ce que décrit Irigaray du masculinisme. C'est-à-dire que on vient imposer ces cadres d'analyse partout, et ce faisant, on écrase complètement les femmes des autres cultures en empêchant qu'elles existent par elles-mêmes, en les réduisant à ce que le féminisme universaliste occidental dit et fait d'elles. Donc ça, c'est pas la peine, on en sort complètement, donc c'est une position intenable, et donc on va pas continuer à en parler. Donc on passe à autre chose, on passe à la suite, je vais continuer à vous lire le texte. Alors, je cite... Il incomberait aux féministes d'explorer les prétentions totalisantes d'une économie masculiniste de la signification, mais aussi de rester critique vis-à-vis des gestes totalisants du féminisme. Tenter d'identifier l'ennemi comme... Ah, il y a une répétition. Il y a une faute d'édition, ok. Tenter d'identifier l'ennemi comme s'il se présentait sous une forme unique n'aboutit qu'à inverser l'argument et à imiter... sans aucun esprit critique, la stratégie de l'oppresseur au lieu de proposer autre chose. D'accord, donc on a un problème de flux encore. Bon. Que se passe-t-il ce soir, décidément ? Ok, donc état du flux médiocre. Super. Bien, bien. D'accord. Et dites-moi, c'est des arrêts de réguliers de 2-3 secondes. 2-3 secondes, ça fait louper pas mal de choses. Ok, donc, comment va-t-on s'y prendre ? D'accord, ça va être un peu compliqué à régler comme problème là. Je vais juste essayer de. Je vous remets sur la page d'attente et je vais essayer de régler le problème sur la page d'attente. Thank you.
Le décalage est violent. Non, en fait, j'avais mon. Bon, ben voilà, excusez-moi. En fait, j'avais ma propre lecture du live en retard. Très bien, ok. Bon, et ben écoutez, si c'est vraiment insupportable, au bout d'un moment, on arrêtera, on refera ça une autre fois parce que là, je peux rien faire de plus. Je suis toujours de toute façon en câblé et tout, donc voilà. Donc on va tenter de continuer. Voilà. Donc alors, je vous avais lu cette phrase-là. Je ne vais pas vous la relire. Je vais vous la résumer rapidement. Donc on en est là. Alors donc en gros, ce que dit Butler à ce moment-là, c'est ok, c'est important d'étudier ce que fait le masculinisme en termes d'impérialisme des idées, ce qu'il fait à l'endroit des femmes, mais le problème se retrouve in fine dans le féminisme qui est capable lui aussi d'impérialisme dans sa volonté d'expliquer l'oppression des femmes. Donc là, c'est la thèse du patriarcat universel ou la thèse d'Irigaray. Donc ce faisant, le féminisme devient oppresseur en reprenant à son compte les outils de celui qui l'oppresse. Et ça, c'est problématique, comme vous vous en doutez. Donc il faudrait pouvoir dépasser ça et proposer une autre manière de s'empouvoirer, si vous voulez.
Donc, alors continuons, on s'emmène jusqu'à la phrase suivante, enfin jusqu'au petit tiret suivant. Alors, si la tactique fonctionne dans des communautés aussi bien féministes qu'antiféministes, c'est que le geste colonisateur n'est ni essentiellement ni irrémédiablement masculiniste. Pareille tactique peut fonctionner pour installer d'autres rapports de subordination selon la race, la classe et l'hétérosexisme, pour n'en citer que quelques-uns. Et clairement, je vais m'arrêter là, excusez-moi. Donc là, ce qu'on disait, excusez-moi, ce que ça dit en gros, c'est que l'impérialisme, la colonisation, la totalisation, c'est pas propre à la rhétorique masculiniste. Ça peut se retrouver un peu partout, ça peut créer de la hiérarchie de plein de manières différentes. C'est pas juste une histoire de pénis dominateur. Ça fait. En gros, c'est un peu la manière dont on va classer les problèmes en termes de race, classe, sexualité, etc. Mais vous allez voir que. Oui, désolé pour les coupures, du coup, c'est assez embêtant. Mais qu'est-ce que vous avez raté? Vous avez raté une critique d'Irigaray, pour Butler, effectivement, a un problème dans le sens où elle reproduit une sorte d'impérialisme totalisateur de ce qu'elle dénonce elle-même dans le masculinisme. Bon. Bref, donc, alors du coup. Donc je disais, voilà, cette dernière phrase parlait du problème que ce genre de rhétorique un peu totalisante, ça se retrouve à chaque fois qu'on a des tentatives de hiérarchisation, de domination, etc. Alors, du coup, on va continuer à lire. Alors, il y a une phrase un peu longue, on va tourner en cours de route, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Alors, je continue à lire. Et clairement, dresser une liste des diverses formes d'oppression, comme j'ai commencé à le faire, suppose d'admettre qu'elles coexistent, telles des séquences distinctes, le long d'un axe horizontal, qui ne rend pas compte de la manière dont elles convergent dans le champ social. Un modèle vertical n'est guère plus satisfaisant. Impossible de ranger sommairement les formes d'oppression, de les relier par un simple lien de causalité, de les répartir selon des degrés d'originalité ou de dérivation. En effet, le champ du pouvoir, structuré en partie par le geste impérialiste de l'appropriation dialectique, déborde tout en l'incluant l'axe de la différence sexuelle, dessinant une carte de différentiel qui s'entrecroise sans pouvoir être sommairement hiérarchisés les uns par rapport aux autres, que ce soit dans les termes du phallogocentrisme ou de je ne sais quel autre candidat au statut de condition première de l'oppression. Donc alors c'est un gros bout, mais on va faire ça tranquillement. Donc là ce qu'elle dit en gros c'est que. Ok, très bien, plus de coupure. Elle dit que il y a en fait. Un problème de classification des oppressions. On n'a pas affaire à des dominations qui sont distinctes les unes des autres. Elles sont mêlées dans la réalité. Donc faire une classification sous forme d'empilement sur un socle premier ou une classification en termes de causalité de l'un sur l'autre, eh ben, c'est pas ouf parce que ça propose une hiérarchisation des oppressions et ça ne rend pas justice à la réalité des phénomènes d'oppression qui s'entrecroisent et qui n'ont pas d'écho les uns des autres. En gros, chercher l'oppression première, pour Butler, ça n'a aucun sens. Le pouvoir, qui se manifeste par l'appropriation dialectique, c'est le terme qu'elle utilise, c'est-à-dire le monopole de l'énonciation de la distinction hiérarchisante sujet-autre. Donc le pouvoir, c'est un système complexe et pluriel. C'est pas un système en dérivation, où un truc découle d'un autre de manière sommaire. La hiérarchisation n'a pas une origine, par exemple la différence sexuelle, mais c'est un ensemble intriqué de distinctions entre un sujet et son autre. Donc là, on a une critique de la part de Butler à propos des féministes qui entendent poser l'oppression masculiniste au fondement de toutes les dominations. Ce qui implique donc que régler le problème du sexisme, c'est régler tout le problème de la hiérarchisation. Et ce qui est marrant, c'est qu'on avait et on a toujours une technique similaire de globalisation de la cause première de l'oppression. On a la même technique chez les communistes, par exemple, pour qui l'oppression première, c'est celle de la classe, et d'elle découlent toutes les autres oppressions. Du coup, bah pour eux, c'est. Enfin, pas tous, hein, évidemment, mais une partie d'entre eux, pour eux, bah, pas besoin de faire des analyses autres qu'en termes de classe, pas besoin de parler de sexisme ou de racisme. On connaît le problème qui est à la base de tout. Si on règle le problème à la base de tout, le reste va merveilleusement se décoincer. Donc, pour revenir à Butler, si on classifie, dès qu'on
qu'on classifie les oppressions comme ça, les dynamiques de pouvoir, si on les met en tube parallèle ou en causalité d'une oppression à une autre, eh bien, pour Butler, on représente mal la structure du pouvoir et des hiérarchisations oppressives, et donc c'est une forme d'impérialisme totalisant. Exactement, hashtag réductionnisme de classe. Ok, donc on va pouvoir passer à la dernière phrase de ce petit paragraphe. Loin d'être une tactique spécifique aux économies masculinistes de la signification, l'appropriation dialectique et la suppression de l'autre en est une parmi beaucoup d'autres qui sert principalement, mais non exclusivement, à étendre et à rationaliser l'expansion du pouvoir masculin. Donc, résumé, en gros, le fait de monopoliser la dialectique en produisant les deux pôles, le sujet et l'autre, donc comme les mascus chez Grigaraille, le fait de faire ça, en excluant au passage l'autre réel, puisqu'on produit un autre fictif à destination de notre dialectique, et bien c'est pas un truc uniquement masculiniste, même si souvent cela sert le renforcement du masculin. Et là, on a comme, bizarrement dans les formulations, on a quand même un arrière-goût d'essentialisme avec cette histoire de masculin, et on a un peu l'impression que Butler se prend un peu les pieds dans le tapis dans ces termes, à dire que majoritairement, le monopole de la dialectique sert un truc qui serait le masculin. Mais ok, bon. Ensuite, on va sauter un petit passage qui est fondamentalement un truc qui se répète. Hop, alors je monte un petit peu ça. Et donc, alors tout le 31, hop, ça, on va le laisser de côté parce que globalement, on répète des choses qu'on a déjà dites. Et on va passer au numéro 32. Voilà. Parce que, en gros, ce qu'elle dit à cet endroit-là, je le barre, mais je vous explique quand même. Les écueils de l'universalisme, qui produit une catégorie de femmes unifiées, globalisantes, et ben ça pose tous les problèmes qu'on a déjà vus. Voilà, c'est une sorte de répétition de ce truc-là. Oui, on censure un peu les répétitions, parce que quand même, vous avez compris. Voilà. Alors, du coup, je continue à lire, il va y avoir un tournage de page, et ça va bien se passer. Alors, on a bien tenté quelquefois de formuler une politique de coalition qui renonce à prédéfinir le sens précis de « femme ». Au lieu de cela, on propose une série de rencontres dialogiques qui permettent à des femmes occupant des positions différentes de s'identifier de diverses manières lors de la construction d'une coalition. Excusez-moi. Alors du coup, là on entre dans un autre passage qui est très intéressant. Donc elle dit en fait, on a une potentielle alternative en féminisme, c'est cette histoire de coalition. Donc je sais pas trop à quoi elle fait référence exactement, mais bon. Alors donc cette alternative de la coalition, ce serait ce qui permettrait la prise en compte de divers sujets femmes, donc diverses manières d'être des femmes. Et donc ça fonctionnerait comme ça, donc des discussions et des échanges qui permettent de faire émerger des positions relatives, une diversité de sujets femmes. Et la coalition, c'est ce qui se forme à partir de cette diversité qui vient discuter. Donc on voit bien ici comment on passe à de la lutte féministe qui s'inscrivent dans des contextes, qui ne projettent pas une identité pour toutes de manière impérialiste. Donc c'est plutôt prometteur. Attention cependant, ici, donc je le disais, il n'y a aucune source qui est citée par Butler, on ne sait pas exactement à quoi elle voudrait faire référence. Mais bon, nous continuons. On va voir tout de suite que finalement, elle n'est pas totalement satisfaite. Butler, elle ne se laisse pas avoir par des trop bonnes nouvelles. Méfiance. Donc, continuons. Je lis. Il ne faut en aucun cas sous-estimer la valeur qu'a la politique de coalition. Mais on ne peut pas imaginer à l'avance quelle sera la forme exacte d'une coalition, d'un assemblage émergent et imprévisible de positions. Si démocratique que soit l'élan poussant à former une coalition, toute personne qui théorise le processus de formation de celle-ci peut, sans le vouloir, s'ériger à nouveau en autorité suprême, en tentant de donner à l'avance la forme idéale que devraient prendre les structures de coalition pour en assurer l'unité. Les efforts connexes pour déterminer ce qui est ou non un vrai dialogue, ce qui constitue une position de sujet, et plus important encore, à quel moment on atteint l'unité, peuvent finir par empêcher que la coalition ne se forme et se définisse par sa propre dynamique de coalition. Bon, c'était un long passage, mais c'est relativement compréhensible. Donc elle dit, Butler,
Le problème du principe de la coalition, c'est que, premièrement, on risque de vouloir organiser en amont. Et quand on veut préciser les modalités de formation d'une coalition, fournir un cadre à celle-ci, eh ben on a beau vouloir être démocratique, on a beau vouloir tenter de fournir un cadre, en fait, tenter de vouloir fournir un cadre, c'est déjà risqué d'être directif. Et pour Butler, il semble en fait présupposer que un minimum de cadre, c'est nécessaire dans la pratique de la coalition, du moins telle qu'elle est pour le moment conçue. Donc il faut définir des règles encadrant la formation et clôturant cette formation de la coalition, etc. Deuxième problème, d'autre part, dans le principe de la coalition, on se pose en premier toujours la question de la constitution du sujet de l'action. Oui, on est en plein travail dans le démocratique, mais on l'est si bien qu'on risque de ne pas réussir à former la coalition si on n'arrive pas à un consensus. Donc on retombe sur le problème du surplomb dans la formation des types de sujets, lesquels ont le droit de participer à une coalition, ou bien on retombe dans l'impossibilité de s'entendre pour agir de manière unie. Vous voyez ces fameuses réunions syndicales qui n'en finissent plus, ou ces réunions politiques, parce qu'on n'est jamais d'accord et que, faute de pouvoir s'entendre, on arrête et puis chacun rentre chez soi. Voilà, donc les deux problèmes de la coalition. Alors, je vois une question, est-ce que Butler s'appuie sur le travail des féministes intersectionnelles ? Je pense qu'elle les connaît. Cependant, comme vous voyez, le texte de Butler, d'un point de vue des citations et d'un point de vue des références, c'est à moitié un gruyère, en fait. Donc, si elle a travaillé avec ça en tête, en tout cas, c'est pas cité. Donc, voilà, dommage. Mais je pense effectivement que si elle le dit, c'est qu'elle le sait. Et malheureusement, elle s'en tient à des généralités qui ne permettent pas de rentrer directement dans les textes sur lesquels elle pourrait s'appuyer. Voilà. Alors, donc je propose de continuer. On va passer du coup au numéro 33. Et donc, alors là, je vous ai mis... Enfin, pas tout de suite au numéro 33. En fait, il y a un tout petit bout qui nous fait finir sur cette thématique de la coalition et enchaîner sur autre chose ensuite. Alors, je cite... Le fait de se donner pour fin absolue l'unité de la coalition revient à supposer que la solidarité, quoi qu'il en coûte, est une précondition à l'action politique. Donc, Butler dit on a un problème avec le but d'unité d'une action politique. L'unité, c'est ce que vise le principe de la coalition. Mais, en fait, c'est présupposer qu'il est nécessaire que l'action politique repose sur, en gros, un consensus, une position unique et partagée, même si, au sein de cette coalition, on a une diversité de points de vue, car une diversité de femmes. Et donc ça pose des problèmes, le fait de se dire que le but de ça, c'est qu'il y ait une unité. Donc continuons. Je continue à lire. Mais quel genre de politique peut exiger que l'unité se paye à l'avance? Peut-être une coalition a-t-elle besoin de reconnaître ses contradictions et de se lancer dans l'action avec elle. Il se peut également que la compréhension dialogique implique aussi, en partie, d'accepter la divergence, la fracture, le séparatisme et la fragmentation comme éléments constitutifs du processus, souvent sinueux, de démocratisation. Donc elle dit « Considérons l'hypothèse selon laquelle, peut-être, que l'unité, en fait, c'est un problème en politique, si on présuppose sa nécessité, si on ne la questionne pas. » Donc elle fait l'hypothèse, tout d'abord, que la contradiction interne peut, voire doit, être envisagée comme faisant partie du fonctionnement de la coalition. En fait, la mésentente, ça pourrait très bien ne pas devoir être chassée. Et deuxièmement, deuxième sorte d'hypothèse, qui est très liée à la première, mais on va quand même nuancer, peut-être bien que l'unité même du principe de coalition fait problème. La vraie démocratie, ce serait d'accepter de ne pas être d'accord et de ne pas agir ensemble pour que les points de vue, les situations soient respectées. Et en démocratie, le but, ce serait pas de mettre tout le monde d'accord, de force, de se substituer à autrui pour pouvoir mieux parler d'une seule et unique voix. Donc si on veut un féminisme démocratique, alors peut-être que il faut en passer par le désaccord et accepter de rester dans ce désaccord et d'agir quand même. Voilà, c'est ça qui est dit à cet endroit-là. Alors, c'est bon, on voit bien la suite. On voit bien la suite. Hop, donc continuons jusqu'à là.
La notion même de dialogue est culturellement spécifique et historiquement située. Car tandis qu'un interlocuteur ou une interlocutrice peut être persuadé d'avoir une conversation, un ou une autre peut être convaincu du contraire. Il faut commencer par interroger les rapports de pouvoir qui conditionnent et limitent les possibilités dialogiques. Sans cela, le modèle du dialogue risque de retomber dans un modèle libéral qui suppose que les sujets parlants ont les mêmes positions de pouvoir et qu'ils parlent tous en se faisant la même idée de l'unité, de ce que signifie être d'accord et qu'il s'agit bien là de buts à poursuivre. Alors là, on revient un peu en amont par rapport à cette histoire de... d'alternative avec la coalition. En fait, ce qui est dit ici, c'est que il y a une sorte de caractère relatif de la notion de dialogue. Les conceptions de ce que sont des conditions de succès d'un échange entre individus, eh bien, elles varient en fonction de l'époque et de la culture. Ce qui veut dire que, déjà, s'entendre sur ce que c'est qu'un dialogue, et une réussite ou un échec, eh bien, c'est soumis à un certain rapport de force. Le type de dialogue qui sera adopté ou valorisé va devoir écraser les autres, en fait. Et probablement, celui qui va l'emporter, ça va être celui qui est conçu par les dominants. Et c'est ça, pour Butler, qu'il faut bien garder en tête. Parce que si on présuppose le type de dialogue qui sera adopté, déjà, il y a une forme d'impérialisme, et en fait, ça risque de tomber en faveur du dialogue de type libéral, qui a bien pour habitude de ne pas prendre en compte les positions respectives de chacun chacune, les rapports de force qui sont impliqués dans ces positions. Et ce qui peut en résulter, bien évidemment, de mise en place ou de reproduction d'une structure de domination. Donc on a un double problème. Problème numéro 1, le choix des conditions de dialogue. Donc déjà c'est un rapport de force, il va falloir qu'on se castagne un peu pour décider comment est-ce qu'on va discuter. Et on a un deuxième problème, c'est celui du dialogue qui va l'emporter, si on ne note pas le caractère variable de la notion de dialogue. Et ce problème, pardon, cette version-là, c'est la version libérale, et cette version libérale, elle a un problème en elle-même, parce qu'elle ne pense pas les positions respectives des gens censés dialoguer, et donc les rapports de force au sein du dialogue, la manière dont l'issue du dialogue est, si on veut, biaisée par une fausse égalité des paroles. Parce que de fait, dans les sociétés hiérarchisées, il y a des voix qui comptent moins que d'autres, qui pèsent moins que d'autres dans les délibérations. Et ça, si c'est pas pris en compte dans les conditions du dialogue, eh bien, on sait tout de suite comment ce dialogue va se terminer. Le dialogue bourgeois, exactement, le dialogue bourgeois, le dialogue start-up. Alors, on va continuer. Attention, il va y avoir un tournage de page. Alors, oups. Je continue à lire. Il serait faux de supposer qu'il y a une catégorie femme dont il suffirait de remplir le contenu avec un peu de race, de classe, d'âge, d'ethnicité et de sexualité pour en donner tout le sens. Supposer que l'incomplétude est une caractéristique essentielle de cette catégorie permet d'en faire un... Hop. Site de signification permet d'en faire un site de signification toujours ouvert à la contestation. Ainsi, l'incomplétude définitionnelle de la catégorie pourrait servir d'idéal normatif, la contrainte en moins. Donc là, en fait, elle a déjà dit ça, Butler, hein, mais en gros, elle répète que tenter d'améliorer la catégorie femme en ajoutant dedans d'autres oppressions, ça n'a pas d'issue favorable, pour toutes les raisons qu'on a déjà dit. Donc il faut, pour Butler, reconnaître l'insuffisance de la catégorie femme et faire de cette insuffisance un point définitionnel central. La notion femme n'est pas bonne et elle ne le sera jamais. Elle ne sera jamais exacte, complète, etc. Et elle sera toujours sujette à discussion, dispute, dissension, etc. Du moment que on ne la fige pas, la catégorie femme peut servir. On évite, du coup, de produire de l'oppression. Donc finalement, pour résumer, ce qu'on peut faire avec femme, c'est en faire une catégorie qu'on discute, et c'est tout ce qu'on doit vouloir fixer à ce propos. Femme, ça se discute. Pour parler un peu en... mobiliser un peu des schémas kantiens, mais en gros c'est une sorte de contenant sans contenu, si vous voulez. Où c'est un vase dont on va changer les fleurs et la composition des bouquets tout le temps, on va se mettre à plusieurs et tout. Et finalement, ce qui compte, c'est de la discuter et de ne jamais la figer. Voilà.
Bon, évidemment, ça pose un peu des problèmes, hein, mais on va continuer la lecture pour voir ce qu'en pense Butler, si ça se... si c'est praticable ou pas. Hop, alors donc on va passer au paragraphe suivant. On va prendre ici et on va aller jusqu'au bout du paragraphe. Mon Dieu, bon, alors, c'est pas un paragraphe difficile, on devrait s'en sortir. Je cite. L'unité est-elle indispensable à l'efficacité de l'action politique? N'est-ce pas en se donnant trop vite l'unité pour but que l'on provoque justement une fragmentation durement ressentie dans les rangs? Le fait d'admettre certaines formes de fragmentation pourrait faciliter l'action dans le cadre d'une coalition, précisément parce que l'unité de la catégorie femme n'est ni postulée ni désirée. L'unité établit-elle une norme qui construit la solidarité sur l'exclusion identitaire, excluant la possibilité que toutes sortes d'actions viennent déstabiliser les frontières, même des concepts de l'identité, ou qu'on fasse ce travail de déstabilisation en le revendiquant comme un but politique? Si l'on ne supposait pas l'unité et qu'on ne se la donnait pas pour but, unité qui est dans les deux cas toujours posée à un niveau conceptuel, des unités provisoires pourraient émerger dans le cadre d'actions concrètes dont les objectifs seraient autres que définir l'identité. Et si ce n'est l'attente contraignante pesant sur les actions féministes censées se fonder dans une identité stable, unifiée et acceptée, ce type d'action pourrait bien être inauguré plus rapidement et plaire davantage à un certain nombre de femmes pour qui la signification de la catégorie est l'objet d'un débat permanent. Ok, donc je vous résume ça rapidement. Butler examine en fait ici la question de l'utilité politique de l'unité. Sous-entendu, l'unité du sujet politique, ce que l'action politique est censée représenter, donc femme. Elle conclut, la recherche de l'unité, en fait, c'est un sujet de dissension chez les féministes, et elle provoque des dynamiques d'exclusion, donc racisme, homophobie, pardon, transphobie, etc. En revanche, si on ne pose pas cette catégorie et cette définition comme une fin, eh ben on peut s'en servir de manière utilitaire. Ne pas régler définitivement le problème du sujet femme, mais acter qu'il est toujours provisoire. Et ça permet de reporter son énergie de militance, non pas sur un travail de catégorisation, mais sur des enjeux concrets. Ça permet de ne pas se placer dans une dynamique d'exclusion, et en ne fermant pas la catégorie, en accueillant au sein du mouvement la contestation perpétuelle. Donc l'unité, d'accord, ok, mais provisoire, habitée par la dissension, la fracturation, et avec l'idée que le sujet femme est toujours provisoire également. Les deux vont de pair puisque c'est la catégorie qui est censée unifier, quoi. Donc au final, l'utilité politique de l'unité et du sujet femme, du coup, elle est remise en question par Butler. Au-delà des questions définitionnelles et théoriques, en fait, il y a des buts concrets à poursuivre en féminisme, et donc le mieux, bah, c'est encore de ne pas définir pour arriver plus vite au but concret. Bon, c'est affirmation osée, mais... Continuons pour voir comment ça fonctionne, parce qu'on continue sur ce thème-là. Je vois que vous êtes toujours très silencieux. Je suppose que vous suivez. Hop, on va prendre là et aller jusque-là. Si l'on adopte une approche de type anti-fondationaliste à la politique de coalition, on ne postule aucune identité. On ne pense pas non plus qu'on pourrait connaître la forme ou le sens d'une coalition avant la réalisation de cet assemblage. Définir une identité dans les termes culturellement disponibles revient à poser une définition qui exclut à l'avance la possibilité de nouveaux concepts de l'identité émergeant dans l'action politique. C'est pourquoi la tactique fondationaliste ne peut se donner pour but normatif de transformer ni d'étendre la portée actuelle des concepts de l'identité. De plus, lorsqu'on cesse de prendre des identités ou des structures dialogiques qui faisaient consensus, et par quoi l'on faisait passer des identités déjà bien établies pour thème ou sujet politique, des identités peuvent alors apparaître ou disparaître selon les pratiques concrètes qui les font ou les défont. Ah, il y a encore des bugs. Je pense que c'est chez Jungle Ju que ça ne va pas trop. Pour l'instant, j'ai pas d'autres remontées que ça bug. Ça doit être une journée de connexion peut-être sur... Là, on me dit connexion excellente sur le YouTube Studio, donc je suppose que ça va. Donc alors, pour vous résumer ce paragraphe massif et un peu entremêlé, donc en gros,
Ici, on a un peu une opposition qui est faite par Butler entre fondationalisme et anti-fondationalisme. Butler étant pour l'anti-fondationalisme, évidemment. Évidemment. En fait, l'anti-fondationalisme, pour Butler, ça ne présuppose rien, ni identité, ni sujet, ni modalité de lutte politique, alors que le fondationalisme le fait. Justement, il fonde quelque chose, le fixe, le définit. Donc en gros, l'anti-fondationalisme, c'est dire on ne se donne pas de fondement pour agir, et le fondationalisme, ce serait plutôt d'abord on pose des fondements, et ensuite on fait quelque chose. Alors, du coup, le fondationalisme, en fait, il est embêtant parce que, en fait, il vient clore une notion, ou des notions, et il empêche l'émergence d'autres conceptions de ces notions, de cette notion. Donc, on a femme qui devient un truc défini, et on repousse ce qui ne rentre pas dans la définition, et donc ça va scléroser la catégorie, et du coup, même si on veut la faire évoluer, il va y avoir beaucoup de résistance, ça va prendre du temps, on est dans des processus un peu lents, quoi. Et deuxièmement, le fondationalisme, ça bloque aussi la diversité de l'action politique et de ses buts. Donc c'est pas super pour être bien souple et bien innovant en politique, en gros. En revanche, je continue toujours sur ce paragraphe, hein, en revanche, pour Butler, si on adopte l'antifondationalisme, comme elle le recommande en gros, on peut avoir une souplesse à l'égard de l'identité. Donc c'est une position, c'est une manière de faire qui est moins sclérosée, il y a plus de possibilités de lutter contre des dynamiques d'exclusion, puisqu'on pose pour principe que l'identité n'est pas figée et qu'elle est toujours sujette à discussion. Et puis ça permet évidemment une souplesse de l'action politique également, puisque on va vers la pratique avant tout, on va pas trop s'arrêter sur est-ce que la théorie est bien ou pas bien, et est-ce qu'on va la garder pour 10 ans ou seulement pour 2 minutes, quoi. Voilà, donc alors continuons à lire, il va y avoir une page à tourner. Alors, certaines pratiques politiques instaurent des identités sur une base contingente pour pouvoir réaliser n'importe quel objectif. La politique de coalition ne requiert pas d'élargir l'acception d'une catégorie femme, ni d'un soi qui déploierait tout de suite sa complexité et son hétérogénéité multiple interne. Et effectivement, dans l'antifondationalisme, on passe dans des stratégies politiques où l'identité, elle est créée, puis dissoute, on suppose. Donc l'identité est créée de toutes pièces pour servir une action, pour arriver à un but. Et donc, améliorer, enrichir la catégorie femme, c'est pas la bonne méthode pour Butler. Ça, elle a déjà dit, mais hein, faut bien insister sur le point. Ce qu'il faut faire, du coup, pour elle, c'est fluidifier cette histoire de catégorie et en faire un outil souple, changeant, dont on se sert à l'envie, qu'on vient façonner à l'envie. Donc on passe ensuite à la conclusion. Enfin, la conclusion de cette sous-partie. Je vous cite le texte. Le genre est un phénomène complexe qui, en tant que totalité, est constamment différé, un idéal impossible à réaliser, quel que soit le moment considéré. Ainsi, une coalition ouverte mettra en avant des identités qui seront tour à tour prises ou mises de côté selon les objectifs du moment. Ce sera un assemblage ouvert permettant de multiples convergences et divergences, sans qu'il soit nécessaire d'obéir à une finalité normative qui clôt les définitions. Donc la conclusion, c'est il faut renoncer à une définition totale et parfaite et plutôt aller vers une sorte de pragmatisme de l'identité pour favoriser à la fois des objectifs politiques divers et la démocratie dans les luttes politiques. Donc alors moi j'ajoute un petit commentaire quand même, ça pose tout un tas de problèmes parce que c'est quand même assez vague comme conception de la politique, en tout cas de la lutte politique en féminisme. Donc il faut faire un sacré effort d'imagination pour se projeter, je pense. Donc peut-être que c'est quelque chose comme chez Butler, en fait là on a un problème avec les femmes en tant que mères parce que la garde des enfants, et donc là on a une lutte politique avec un certain sujet femme, où ensuite on passe à, là on a un problème avec les femmes en tant que devant faire face au corps médical pour un accouchement, donc là on a une certaine identité femme qui émerge pour ça, ou encore là on a un problème avec les femmes en tant que n'étant pas à égalité dans les salaires, donc encore une fois construction d'un sujet, ou encore là on a un problème avec les femmes en tant que devant transitionner d'un point de vue administratif, etc.
Et dans cette succession de sujets femmes, peu importerait la notion, mais plutôt le problème à régler qui vient orienter la définition femme. Mais au final, on s'en fiche, en fait, parce que c'est qu'un bout changeant d'une catégorie qui peut accueillir plein d'autres manières d'être définie, quoi. Donc je sais pas, je pense que c'est un peu compliqué d'imaginer comme ça, juste en ayant lu ce texte assez abstrait. À voir comment on peut transposer ça dans des luttes concrètes, je ne sais pas. Moi, je suis dans le monde des concepts. Voilà, donc on va passer à la partie suivante. Éventuellement, si vous avez des questions, je vais vous mettre le petit écran de pause. Et puis, je reviens d'ici 2 minutes, le temps que vous ayez posé vos questions. Que vous n'avez pas de questions. Ah ben dis donc, on va pouvoir avancer. C'était intéressant. Oui, on va continuer un petit peu, si ça vous dérange pas. Alors, est-ce que Butler préside son antifond nationalisme? Pour illustrer mes questions, j'ai de la peine à... C'est... Ok. Alors, effectivement, ensuite, elle ne revient pas dessus. Et ça fait... En fait, antifond nationalisme, c'est... un mot qu'elle utilise pour dire quelque chose qu'elle dit de manière différente plusieurs fois dans le texte. Donc, elle ne le présente pas, si vous voulez, d'un point de vue... elle ne le présente pas d'un point de vue militant, parce qu'elle, en fait, elle reste effectivement dans la critique du fondationalisme et dans la critique... on a dit qu'elle voulait faire de la naturalisation de la distinction sexe-genre. C'est plus ou moins son problème principal. Et son problème principal, c'est pas vraiment celui de dire comment est-ce qu'on est efficace dans l'action politique. Même si là, on sent qu'elle a envie de le faire. Et par ailleurs, je l'avais dit dans la première vidéo, hein, mais ça lui a été énormément reproché, effectivement, de ne pas proposer... De manière d'agir, enfin de manière d'agir effectivement, et puis la politique de la représentation qu'elle critique énormément, tout en disant oui, mais alors je suis bien consciente que c'est ce dont on a besoin. En fait, il y a une sorte de double discours entre on en a besoin et en même temps je le critique très fortement et j'aimerais que ça soit autrement, tout en ne proposant pas quelque chose de plus concret que ce qu'on vient de voir en fait. Voilà.
Alors, l'expression coalition dans ce contexte. L'expression coalition dans ce contexte, en gros, c'est ce qu'en dit Butler, ce serait des femmes différentes, ou en tout cas des points de vue de femmes différents qui viendraient ensemble s'unir au moment de l'action, et tout en ayant formé ensemble cette unité, en gros. Et ce qu'a l'air de dire Butler, c'est que le principe de la coalition repose sur l'idée que d'abord on s'est entendu sur la définition du sujet femme, la définition de la manière dont on se présente, etc. Donc ce serait ça la coalition. Alors, j'ai de la peine à saisir ce qui serait défini ou pas. Ce qui serait défini ou pas. Eh bien, en fait, je pense que ça serait des définitions et des redéfinitions perpétuelles, mais d'un point de vue, enfin, qui serait pragmatique. En gros, il faudrait que ça serve à l'action. En gros. Donc ça peut être plein de choses différentes, en fait. Il n'y a pas que le sujet femme, je suppose, mais là, c'est la question que pose Butler, quoi. Alors, est-ce qu'elle imagine tout de même des débats de fond en parallèle ou un partage de sources? Ben, en fait, elle rentre pas du tout dans toutes ces questions-là. Ça s'arrête vraiment là, et ensuite, on passe à autre chose, comme l'indique le texte, identité, sexe et métaphysique de la substance. On continue dans la critique des définitions, etc. Alors, ça nous éloigne peut-être du sujet, mais du coup, les critiques de la représentation qui proposent autre chose de concret, il y en a. Là, j'ai absolument rien en tête. Je pense que ce serait un sujet entier, et il faudrait creuser. Donc là, effectivement, je pourrais pas te répondre, désolée. Mais je garde ça dans un coin de ma tête. Ok, du coup, je vais reprendre. Je vais reprendre. Donc alors, on va arriver à cette partie-là. Hop. Alors, donc on passe à identité, sexe et métaphysique de la substance. Alors, hop, on va faire de là jusqu'à là. Alors, je continue, donc je cite le texte. Mais alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'identité? Et qu'est-ce qui nous fait croire que les identités sont identiques à elles-mêmes, qu'elles le restent dans le temps, dans leur unité et leur cohérence interne? Question plus importante encore, comment de telles suppositions structurent-elles les discours sur l'identité de genre? Donc là, on a une série de questions portant sur l'identité, sous-entendu l'identité personnelle. Donc, l'identité, elle est conçue par Butler, ça c'est un truc que, a priori, on est censé savoir dans le schéma global de c'est quoi Butler. Donc l'identité, pour Butler, c'est le produit de la répétition de comportements. Donc c'est une sorte de fiction. Et c'est important à étudier pour Butler. C'est comment est-ce qu'on en vient à cette fiction? Et cette fiction de l'identité, elle inclut bien évidemment la question du genre. Comme on l'avait vu quand on parlait de Beauvoir et de la question de la critique du sujet humaniste, etc. Alors, on continue. Là, c'était surtout des questions introductives. Là, on va passer à plutôt une thèse importante. Alors, je cite le texte. « Il serait faux de penser qu'il faudrait d'abord discuter de l'identité en général pour pouvoir parler de l'identité de genre en particulier. Et ce, pour une raison très simple, les personnes ne deviennent intelligibles que si elles ont pris un genre. Becoming gendered. » Donc là, je pense que c'est la traduction avec ce qui a été traduit. Donc alors, les personnes ne deviennent intelligibles que si elles ont pris un genre, selon les critères distinctifs de l'intelligibilité de genre. Donc là, c'est une thèse assez importante, dont je disais, c'est l'idée que l'identité de genre ne saurait être séparée de l'identité de la personne. Donc, le genre, ce n'est pas attributif de l'identité, mais c'est constitutif. Ça ne peut pas être séparé. On perçoit une personne, une identité personnelle, de manière totalement indistincte de son genre. C'est indémêlable. Ok. Donc, on continue. Donc ça, c'est posé, hein. C'est une thèse, et ensuite, on va continuer à développer, à en argumenter autour de ça, hein. Mais c'est l'idée défendue ensuite, en gros, la thèse. Alors, je cite. « Traditionnellement, les sociologues ont cherché à comprendre la notion de personne à partir d'une capacité d'agir qui veut que la personne précède
ontologiquement ses différents rôles et fonctions et par lesquels elle gagne une visibilité sociale et prend un sens. Donc là, c'est une référence à la sociologie, éventuellement la sociologie interactionniste de Goffman, dont j'ai parlé dans le premier live, mettons que oui. Et on a vu que Butler se distinguait de cette sociologie interactionniste, précisément parce que Butler fait la critique de la notion de sujet, de la notion d'identité personnelle qui est présente dans cette sociologie interactionniste. Et donc, dans la sociologie, dit Butler, on a un sujet, on a une identité personnelle sous-jacente à l'action, qui est un support pour, on va dire, une action stylisée. Vous avez le sujet, c'est le noyau dur, et puis ensuite on a de l'action à partir de ce noyau, quoi. Donc on est dans le contexte théorique, ontologique, dont on parlait plus haut. La fameuse conception humaniste de la substance d'une personne comme préexistante, le sujet à l'origine d'une volonté, etc. Donc tout ça, c'était ce qu'on avait dit auparavant. Alors oui, j'en avais parlé au début du premier live. Ouais. D'où l'importance effectivement de fixer ce genre de connaissances pour pouvoir ensuite te dire ah oui, là, elle doit parler de ça. Sachant que effectivement ça ne se trouve pas dans le texte. Et c'est juste les sociologues. Voilà. Alors, donc on va continuer à lire. Ok, vous voyez tout. On va aller jusque-là. Dans la tradition philosophique elle-même, la notion de personne a été élaborée en travaillant analytiquement avec le présupposé que la personne restait, quel que soit le contexte social dans lequel elle se trouvait, dans un rapport en quelque sorte d'extériorité vis-à-vis des structures qui définissent la personne, qu'il s'agisse de la conscience, de l'aptitude au langage ou de la délibération morale. Donc là, on a la tradition philosophique. Bon, c'est un peu compliqué d'affirmer que la tradition philosophique a une conception de l'identité personnelle de l'ordre de la substance préexistante. En tout cas, de le faire de manière très globalisante comme ça, c'est un peu compliqué. Alors peut-être que c'est implicitement, elle signifie par là la philosophie politique, je ne sais pas, mais je pense pas. Mais par exemple, en philosophie qui est proprement intéressée au concept d'identité personnelle, eh ben, l'identité personnelle comme fiction, c'est quelque chose qui a été abordé, à commencer par David Hume, mais c'est vrai que il offre une position qui est assez radicale, qui est assez marginale de l'identité personnelle. Mais donc, ce que dit Butler, c'est qu'en philosophie, eh ben, comme en sociologie, l'identité personnelle, c'est une substance préexistante, et ensuite vous avez des attributs, et puis c'est l'identité personnelle de base qui va faire des trucs. Alors, on va devoir tourner la page, attention, attention. Sans examiner toutes les références en la matière, je centrerai mon analyse sur l'une des prémices du discours philosophique pour opérer un renversement critique. Donc là, on s'arrête ici, hop. Donc ce qui est dit, assez rapidement... Ah, où est mon truc ? Donc là, Butler, elle dit qu'elle va proposer une critique de cette conception en philosophie. Donc faisons ça. Donc je continue à lire le texte, c'est bon, vous le voyez, on va aller jusqu'au crochet ici, ça va être un gros morceau. Alors avant de lire, je vois que vous avez une question. Bonjour Iris. Butler fait le combat de refait le combat de l'existence et sens et de l'idée-action, à savoir qui précède quoi et qui découle en, philosophiquement. Elle le fait implicitement. En fait, elle le fait plutôt sur le mode de la critique, en ayant déjà fixé sa propre thèse. Et ensuite, elle cite effectivement Nietzsche et les commentateurs de Nietzsche, mais ça, c'est un peu plus tard. Alors du coup, je vais lire ce gros morceau-là qu'on voit. Alors, l'interaction philosophique porte sur les traits constitutifs de l'identité personnelle. Ce qui revient presque toujours à se demander quel est le trait interne qui inscrit la personne dans la durée et la rend identique à elle-même. A l'inverse, on se posera ici le genre de question suivante. Dans quelle mesure les pratiques régulatrices de formation et de division du genre constituent-elles l'identité, la cohérence interne du sujet et même l'identité de la personne? Dans quelle mesure l'identité est-elle un idéal normatif plutôt qu'un fait descriptif de l'expérience?
et comment les pratiques régulatrices qui gouvernent le genre gouvernent-elles aussi l'intelligibilité culturelle des notions de l'identité. En d'autres termes, la cohérence et la constance de la personne ne sont pas des attributs logiques de la personne ni des instruments d'analyse, mais plutôt des normes d'intelligibilité socialement instituées et maintenues. Voilà, je vous ai fait un gros paquet, et vous allez voir, on va comprendre très bien. La tradition... non, ça, je vous ai déjà dit... Où est-ce que je suis? Ah, j'ai perdu mon fil. Voilà, donc, en philosophie, pour Butler, la question se pose de savoir ce qui persiste dans l'identité. C'est comme ça qu'est formulée la question de l'identité personnelle. Qu'est-ce qui fonde l'identité personnelle? C'est-à-dire, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui demeure? Qu'est-ce qui reste le même? Qu'est-ce qui reste identique? Ce qui lui donne son caractère d'unité, de cohérence, son point fixe en dessous de la diversité de ses comportements, de tout ce qui change. Et donc, avec cette question, la plupart du temps, en philosophie, effectivement, on tombe sur le fameux sujet humaniste. Et Butler dit, en fait, c'est pas la question qu'il faudrait se poser, puisque l'idée, c'est que l'identité, c'est une fiction, chez Butler, mais plutôt celle-ci, donc la question qu'il faudrait se poser, qui sera celle de Butler, du coup, ce serait celle de savoir comment est-ce que des normes viennent s'imposer pour créer de l'identité, à l'endroit précis du genre, en l'occurrence. Donc en gros, l'idée, c'est, ce qui est supposé par Butler, hein, c'est on exige socialement de nous l'identité, la constance, la persistance, et il y a un ensemble de normes sociales qui viennent s'appliquer à nos comportements pour les former et pour les rendre réguliers. Donc ce sont des normes sociales exigeant l'identité comme si ça allait de soi, comme si c'était naturel, qui viennent former cette idée qu'il y a de l'identique et non pas du variable. Donc l'identité, ce n'est pas la sensation d'être le même. On nous demande d'avoir cette sensation, au besoin de l'imaginer, de la feindre, de raconter son histoire de manière à ce que ça soit un truc qui se continue sans rupture, sans heurts, sans changement, sans brisure. Alors qu'en fait, pour Butler, l'identité, c'est l'application d'une norme qui vient de l'extérieur, c'est une exigence sociale, et qui est naturalisée. Et le genre fait partie de ces normes d'identité. Et c'est ce qu'on va voir avec Butler à présent, comment ça se constitue en impératif social, le fait d'avoir une identité de genre fixe et qui soit comprise comme un noyau dur qui nous constitue et qui est inséparable de notre être, et qui donc ne devrait pas changer, être mouvant, etc. Voilà, donc on va passer à la suite. Donc vous voyez pas tout à fait toute la suite, je vous fais glisser le bas du livre. Hop, on va aller de là à ici. Il y a beaucoup de répétitions. Effectivement, alors il y a beaucoup de répétitions et en même temps c'est une répétition de type glisser doucement d'une chose à une autre et puis on retourne un peu en arrière et on tire le fil un peu plus loin, etc. Voilà. Ok, continuons. Je cite le livre. L'identité étant fixée par des concepts stabilisants tels le sexe, le genre et la sexualité, l'idée même de personne est mise en question par l'émergence culturelle d'êtres marqués par le genre de façon incohérente ou discontinue. Des êtres qui apparaissent bel et bien comme des personnes, mais qui ne parviennent à se conformer aux normes d'intelligibilité culturelle, des normes marquées par le genre et qui définissent ce qu'est une personne. Donc, parmi les normes qui régissent la fixation sociale de l'identité personnelle, on a sexe, genre, sexualité, notamment. Et donc, c'est des caractéristiques qui sont pensées comme stables, comme constitutives d'un individu, parce que non variables et clairement distinctes. Donc, on est homme ou on est femme, mâle ou femelle, et surtout, on est hétérosexuel. Donc, à la fois, c'est une distinction claire entre les catégories et une attribution de ces catégories qui est non variable et qui participe de la stabilisation de l'identité. Donc en gros, le but, c'est de pouvoir classer les gens dans le spectre social, de les repérer pour ce qu'ils sont censés être toute leur vie. Et c'est uniquement à ça que sert l'identité. C'est fonctionnel. Et pour que ça fonctionne, bah, il faut qu'il y ait des normes auxquelles les gens obéissent. Sauf qu'en fait, ça ne fonctionne pas tout le temps. Et on constate régulièrement qu'il y a des gens qui ne correspondent pas à ces catégories binaires,
Donc mettons qu'il y a des femmes qui sont attirées sexuellement par les femmes, par exemple, ou qui n'ont pas toujours le même comportement. Mettons qu'il existe des personnes qui sont attirées par les hommes et par les femmes, par exemple. Et le fait que ça ne fonctionne pas tout le temps, pour Butler, le fait que les normes ne soient pas toujours respectées, eh bien ça vient remettre en question le concept même de l'identité. On a clairement affaire à des personnes, on a identifié que c'était une personne, et en même temps, elles ne respectent pas les normes. Et si elles ne respectent pas les normes, eh bien on ne devrait pas être comprises comme des personnes, parce qu'on n'arrive pas à les classer. Donc elles sont incompréhensibles dans le spectre social, qui n'admet pas l'écart envers la norme. Sinon, ça devient la panique de la classification, quoi. Du coup, effectivement, je m'avance un peu, mais on a une alternative entre soit on se met à exclure les gens de la société, soit on remet en question le concept d'identité personnelle en venant à admettre que l'identité, c'est une production normative, et c'est pas un donné, c'est quelque chose qu'on s'impose pour avoir une lisibilité, sauf qu'il n'y a pas de réalité à cette conception de l'identité, quoi. Voilà, c'est un peu la conclusion. Je m'avance, c'est pas ce qui est dit, mais c'est pour tirer les fils jusqu'au bout, quoi. Ok. Alors, je vois que ça commente beaucoup. C'est possible de définir l'intelligibilité culturelle. Alors, intelligibilité culturelle, c'est juste le fait d'être, de rentrer dans une case conceptuelle qui est prévue par la culture. Par exemple, si vous avez, vous avez par exemple dans notre culture le terme femme, qui recouvre tout un tas de caractéristiques, notamment par exemple cette question de l'hétérosexualité. Eh bien, si effectivement vous avez une femme qui manifestement n'a pas un comportement hétérosexuel, eh bien, on va avoir un problème pour la classifier par exemple dans la catégorie femme. Ça va gêner un peu en tournure, ce qui fait que elle va pas être intelligible culturellement. On va se dire qu'est-ce qu'on en fait, et il va y avoir une sorte de panique de la classification à ce moment-là. Voilà, je sais pas si c'est un peu plus clair. C'est juste ça, c'est juste est-ce que. Dans la culture dans laquelle on est, on a le concept adéquat pour pouvoir classifier le comportement d'une personne ou l'aspect d'une personne de manière évidente, ou est-ce que ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est les concepts qu'on a à notre disposition pour reconnaître les gens comme étant ci ou ça. Alors, Corentin dit « Il faudrait attendre la majorité ou autre âge pour que chaque personne choisisse son genre ». Je vois que tu prends déjà de l'avance sur la suite de l'ouvrage, mais je pense qu'on va pas y arriver tout de suite aujourd'hui parce qu'on a encore beaucoup de travail. Sache que dans certains cas, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Voilà. À voir plus tard. Alors, on va continuer à lire jusque-là. Vous le voyez, c'est bon. Alors. Touk, touk, touk. Donc je cite le texte, oui c'est ça. « Les genres intelligibles sont ceux qui, en quelque sorte, instaurent et maintiennent une cohérence et une continuité entre le sexe, le genre, la pratique sexuelle et le désir. » Voilà, donc ça c'est assez clair, vous avez des gens qui correspondent à la norme. Donc on va suivre encore un petit peu le texte. Ça, c'était assez simple à comprendre. Autrement dit, ces lignes directes sont hantées par la discontinuité et l'incohérence, notions qui ne deviennent elles-mêmes pensables qu'à partir des définitions normatives en vigueur pour la continuité et la cohérence. La discontinuité et l'incohérence sont des spectres constamment proscrits et produits par ces mêmes lois visant à établir des rapports de cause à effet entre le sexe biologique, les genres socialement construits et leur expression ou effet conjoint dans le désir sexuel tel qu'il se manifeste dans la pratique sexuelle. Donc vous avez aussi les cas où... Vous avez donc d'un côté les cas où les identités correspondent à la norme, et donc ceux-là, ils entretiennent la norme, la forme que prend cette norme. Sauf que ensuite, Butler dit, en fait, il y a une forme de dialectique entre la norme et ses échecs. Les cas de personnes ne correspondant pas à la norme, donc ses échecs,
sont aussi ce qui la hante, au sens où ça inquiète, il faudrait pas que ça arrive, ça risque de mettre tout le monde mal à l'aise, de déstabiliser l'ensemble. En fait, il y a une crainte perpétuelle que certaines personnes échappent à la norme. Mais paradoxalement, c'est parce qu'il y a une norme qu'il y a de l'anormal et du débordement de la norme. En fait, c'est la norme qui vient produire elle-même son dehors. Et le complexe, genre sexe et sexualité, ça fait ça, en fait. Ça impose une norme d'individu femelle, femme, hétérosexuelle, et par conséquent, ça produit en même temps l'idée d'individus qui n'entrent pas dans ces normes et qui viennent perturber ce schéma crispé de ce que ça doit être une femme. Donc sexe, genre, sexualité, femelle, femme, hétérosexuelle. Parce que s'il n'y avait pas de normes, eh ben, il n'y aurait absolument rien à perturber. Ok, on passe à la dernière partie. Enfin, la dernière partie. Pas tout à fait la dernière partie, mais on va tourner la page. Alors. Je vois qu'il y a une question. Ce serait par exemple, par opposition aux identités NB vis-à-vis du grand public. Oui, par exemple, ou en tout cas, une personne non-binaire qui présente effectivement un aspect androgyne, eh bien, peut-être que quelqu'un qui n'aurait pas cette classification-là à disposition dans sa tête serait tout le temps en train d'osciller entre est-ce que madame, monsieur, vous voyez, quelque chose comme ça. C'est ça, à peu près. Est-ce qu'il y a une norme des échecs ? Voilà. Une norme des échecs. Ouais, je pense qu'il y a une norme des échecs dans le sens où on voit assez clairement qu'il y a des échecs qui sont plus faciles à enregistrer que d'autres. Mais j'y reviendrai. Alors, je poursuis la lecture. L'idée qu'il puisse y avoir un vrai sexe, comme le disait ironiquement Foucault, est précisément produite par des tournages de page, pratiques régulatrices qui forment des identités cohérentes à travers la matrice des normes cohérentes de genre. L'hétérosexualisation du désir nécessite et institue la production d'oppositions binaires et hiérarchiques entre le féminin et le masculin, entendues comme des attributs exprimant le mâle et la femelle. Alors, on va s'arrêter là. Hop. Alors, là, comment comprendre ça ? Donc, en gros, ici, ce que dit Butler, c'est que, en fait, elle insiste sur ce qui vient d'être dit. C'est normal parce que c'est une thèse importante dans la construction de son argumentation. Donc, elle fait référence à Foucault, toujours sans citer, sans expliquer, mais on va dire que sa manière de présenter la matrice de pouvoir sexe, genre, sexualité, c'est assez clair pour qu'on comprenne. Et à l'occasion, on pourra expliquer des bouts de Foucault, mais on va pas faire les 4 tomes de l'histoire de la sexualité. Mais en gros, le vrai sexe est produit par un arsenal de normes, de conduites, qui contraignent les individus au complexe hiérarchisé sexe, genre, sexualité. Ok, on continue. La matrice culturelle par laquelle l'identité de genre devient intelligible exige que certaines formes d'identité ne puissent pas exister. C'est le cas des identités pour lesquelles le genre ne découle pas directement du sexe, ou lorsque les pratiques du désir ne découlent ni du sexe, ni du genre. Donc, en fait, on voit qu'il y a un envers au système de normes. Ce qui n'est pas envisagé comme pouvant exister par ces normes et ces pratiques de régulation des individus, c'est-à-dire, en fait, toutes les personnes, on l'a dit, qui ne suivent pas à la lettre ces schémas des normes sexe, genre, sexualité, donc type femelle, femme, désir pour mâle, homme, désir pour femme. Et ben, typiquement, je pense que le cas qui est évoqué ici sans être nommé, mais c'est le cas des transidentités par exemple. Ok, je continue à lire. Découler dans ce contexte consiste en un rapport politique de conséquences nécessaires promulguées par les lois culturelles qui établissent et régulent la forme et le sens que prend la sexualité. C'est bien parce que certaines identités de genre n'arrivent pas à se conformer à ces normes d'intelligibilité culturelle qu'elles ne peuvent, dans ce cadre normatif, qu'apparaître comme des anomalies du développement ou des impossibilités logiques. Et bien sûr, on disait donc, là j'explique, hein,
On disait plus haut, ces normes servent à la compréhension des structures sociales, permettent de classer les individus, de donner du sens au comportement des individus, et en les régulant et en les restreignant, c'est-à-dire que moins on a de différences, plus c'est facile d'expliquer comment les choses se comportent, de le prévoir. Et en fait, si ça varie trop, on ne peut plus classer les personnes. Du coup, la norme devient naturelle, et ce qui en sort devient alors une anomalie. C'est quelque chose qui n'était pas censé pouvoir arriver. Et donc là, on arrive sur un truc qui intéresse Butler. Donc je finis le paragraphe, on va voir ce qui l'intéresse ici. La persistance et la prolifération de telles identités sont une occasion critique d'exposer les limites et les visées régulatrices de ce domaine d'intelligibilité, et donc de rendre possible, dans les termes mêmes de cette matrice d'intelligibilité, des matrices concurrentes et subversives qui viennent troubler l'ordre du genre. Donc il y a plein de trucs qui ont l'air un peu compliqués, mais en gros elle dit c'est à partir de ces anomalies, donc tous les gens qui ne répondent pas aux femelles, femmes, hétérosexuelles et mâles, hommes, hétérosexuels, donc tout ce qui n'est pas ça, à partir de ces anomalies, en fait il est possible de dévoiler la forme que prend la norme et de penser autre chose qu'elle, de penser à la bousculer, à la troubler justement. Et la formulation de Butler dit bien qu'en fait, on n'en sort pas de cette matrice normative. La seule chose qu'on peut éventuellement faire, c'est montrer comment elle échoue et comment d'autres matrices dites concurrentes viennent la mettre en échec en montrant qu'elle n'est pas naturelle. Donc là, j'extrapole un peu. Alors, c'est quoi cette histoire de matrice concurrente? Ben, si on s'avance un petit peu sur la suite du texte, ça va être toutes les cultures des minorités de sexe, genre, sexualité. Et par exemple, la culture du drag, dont Butler parle plus loin dans le livre et qu'elle a beaucoup pris pour exemple, quoi, en gros. Bon, mais n'allons pas trop vite et continuons la lecture. Alors on va aller jusqu'ici, c'est majoritairement des questions. Mais avant de passer à ces pratiques de désordre, pas trop vite, voyons d'abord ce qu'est la matrice d'intelligibilité. Est-ce un singulier? En quoi consiste-t-elle? Quelle forme particulière d'alliance peut-on supposer entre un système d'hétérosexualité obligatoire et les catégories discursives qui établissent les concepts identitaires du sexe? Si l'identité est un effet de pratique discursive, dans quelle mesure l'identité de genre est-elle construite comme un rapport entre le sexe, le genre, la pratique sexuelle et le désir, comme l'effet d'une pratique régulatrice qui n'est autre que l'hétérosexualité obligatoire? N'est-ce pas nous ramener à un cadre explicatif autrement totalisant que de remplacer dans l'explication le phallogocentrisme par l'hétérosexualité obligatoire comme seule et unique cause de l'oppression de genre? Donc là, c'est formidable, parce que ce qu'on voit, c'est que Butler s'adresse à elle-même ses propres critiques. Très efficace. Donc là, ce qu'on vient d'avoir, c'est une batterie de questions pour interroger cette histoire de matrice, avec deux types de questions. D'abord, on se demande comment fonctionne cette matrice pour aligner sexe, genre, sexualité. Ensuite, on se demande si on n'a pas un problème théorique avec cette matrice. Est-ce que c'est pas en train de nous ramener vers ce dont Butler a soigneusement dit qu'elle voulait s'en débarrasser, c'est-à-dire une explication totalisante, unique et unitaire? Et la suite du chapitre va devoir prendre tout ça en charge, donc on va continuer la lecture. Je scroll down exactement toutes mes excuses. Désolée. Alors, donc on continue la lecture, on va devoir tourner la page à un moment. Dans l'éventail de la théorie du French Feminism et du post-structuralisme, la production des concepts identitaires du sexe est analysée à partir de régimes très différents. Voyez par exemple tout ce qui sépare la position de Irigaray de celle de Foucault. À en croire la première, il n'y a qu'un seul sexe, le sexe masculin, qui s'élabore lui-même en produisant l'autre, le second. Le second, donc Foucault, considère quant à lui que la catégorie de sexe, qu'elle soit masculine ou féminine, est produite par une économie régulatrice diffuse de la sexualité. Ou encore l'argument de Wittig, je vous avais dit qu'on en parlerait, selon lequel la catégorie de sexe est, dans les conditions de l'hétérosexualité obligatoire, toujours féminine.
le masculin restant non marqué et donc synonyme d'universel. Mais, paradoxalement, Wittig rejoint Foucault lorsqu'elle affirme que la catégorie même de sexe disparaîtrait, voire s'évanouirait, si l'hégémonie hétérosexuelle était perturbée et renversée. Ok, donc là, on a une présentation de trois façons différentes de penser l'identité sexuelle. Et ensuite, elle va revenir dessus progressivement. L'identité sexuelle, chez Butler, c'est le complexe sexe-genre-sexualité, ok? Donc d'abord, Iringareil, qu'on a vu la semaine passée. Donc on a cette idée du masculinisme qui produit... Bah, vous l'avez encore affiché. Le masculinisme qui produit son sexe, donc un seul sexe totalisant, juste du masculin partout. Vous avez ensuite Foucault, pour qui homme-femme, eh ben, c'est des catégories qui viennent servir la normalisation de l'hétérosexualité. En fait, le genre rend lisible deux types d'individus qui doivent converger vers l'acte sexuel, à l'exclusion donc des rapports de même sexe. Et puis, vous avez donc Wittig, Monique Wittig, pour qui, en fait, le sexe, c'est le féminin, et vous avez le masculin et l'universel. Donc, vous voyez qu'on retrouve un peu le schéma à la Beauvoir, là. Le seul sexe féminin existe pour Wittig, car lui seul est marqué, et cela vient, comme chez Foucault, servir la contrainte à l'hétérosexualité. Et donc, Foucault et Wittig y voient dans la perturbation de l'hétérosexualité ce qui devrait faire exploser les catégories sexuelles de l'identité personnelle. Ce qui n'est pas vraiment le cas chez Irigaray. Chez Irigaray, on a une autre stratégie. Pour elle, c'est produire du féminin à balle. Voilà. Hop, donc on va baisser. Alors, vous voyez que là, je vous ai barré des passages, parce qu'en en fait, elle revient sur Irigaray, et je pense que vous avez compris. Globalement. Est-ce que ces analyses ne sont pas un peu ethnocentrées ? Elles sont centrées sur, effectivement, la culture qu'elle analyse, parce qu'elle ne fait pas un... Effectivement, elle ne fait pas un travail... Elle ne fait pas un travail totalisateur, effectivement. Mais oui, peut-être qu'on peut dire que c'est de l'ethnocentrisme. Et en même temps... Elle critique le féminisme et le sujet du féminisme, sachant que c'est déjà des productions ethnocentrées, en fait. Donc, je suppose qu'on peut répondre oui. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Je ne sais pas. En même temps, il y a plein de passages où, effectivement, elle prend en compte les questions d'intersectionnalité sans vraiment nommer le terme, mais je pense que c'est parce que c'est au moment de la production du terme, donc c'est pas nécessairement très, très grave de pas le nommer. Donc voilà, je ne saurais pas quoi en faire si on disait oui, et en même temps si on disait non, je ne saurais pas quoi en faire non plus. Donc voilà, je continue du coup. Hop. Alors du coup, on va encore devoir tourner la page. Allons-y. Donc, ceci dit, toutes les positions partagent fondamentalement l'idée essentielle que le sexe apparaît dans le langage hégémonique comme une substance, comme un être identique à lui-même sur le plan métaphysique. Cette apparence est réalisée grâce à une astuce performative du langage et ou du discours qui occulte le fait qu'il est foncièrement impossible d'être d'un sexe ou d'un genre. Alors, hop, on s'arrête ici, si je veux bien... Ah. Ça y est. Commence avec les problèmes de Zoom. Toutes mes excuses. On va essayer de remodifier le problème. Hop. Hop. Ah. Désolée, c'est pas très maniable, je sais que ça reste dans votre... Donc alors, pour résumer ce qui vient d'être dit. Donc, ce qui est commun aux trois, donc Irigaray, Foucault, Wittig, et ce qui intéresse Butler... c'est que pour les trois, en fait, il y a la représentation d'un langage hégémonique, c'est-à-dire d'un langage dominant, qui est critiqué. Donc ce langage hégémonique qui s'impose, qui impose sa norme, et qui fait du sexe une substance. C'est-à-dire, on l'a vu, un machin préexistant, un donné, un point de départ, et surtout un machin qui ne change pas, qui persiste dans le temps tel quel, donc identité, identique.
on a pour les trois une norme qui fait du sexe un invariable de l'identité personnelle. Et pour les trois, c'est un genre de leurre qui advient dans le discours en tant qu'il est agissant dans les structures sociales. Le discours agit dans les structures sociales. Parce que, en fait, les discours sont ce qui façonne la réalité sociale. Ils viennent créer des illusions d'existence, d'entité, par leur régularité, leur répétition, etc. Et pour Butler, le caractère performatif du langage, donc c'est par exemple « c'est un garçon, c'est une fille », ça j'en avais déjà parlé, ce caractère performatif, il vient masquer le fait qu'il est impossible d'être d'un sexe ou d'un genre, c'est-à-dire qu'il est impossible d'être un homme ou une femme. Il n'y a pas, pour Butler, d'entité, de substance qui soit moi, toi ou quelqu'un d'autre, préexistant et définissant un être. Et comme le genre fait partie de cette histoire de substance et de sujet, bah, c'est pas possible d'être un homme ou une femme. Donc, on n'est pas homme ou femme, on est dit homme ou femme, et cette parole, la plupart du temps, agit efficacement pour que les individus se mettent à performer homme ou femme selon ce qui a été annoncé. Mais le genre, c'est qu'une performance pour Butler, c'est pas une naissance. Donc j'extrapole un peu, mais ça me semblait nécessaire de tirer tout de suite les conséquences, même si forcément, on va y revenir, quoi. Voilà, donc alors on va continuer à lire. Hop, je vais éviter de casser la page. Merci Jean, bonne soirée. Alors du coup, je disais, on va continuer à lire. Jusqu'en bas. Donc là, on revient sur Iri Garay et la question du langage. Donc ça, c'est un vêtement un peu différent. On va revenir sur Iri Garay, mais d'un point de vue un peu différent. Pour Iri Garay, la grammaire ne peut jamais être l'indice véritable des rapports de genre, précisément parce qu'elle renforce le modèle substantif du genre comme un rapport binaire entre deux termes positifs et représentables. De son point de vue, la grammaire substantive du genre, qui suppose l'existence d'hommes et de femmes, de même que des attributs respectifs du masculin et du féminin, est un exemple de binarité qui masque effectivement le discours univoque et hégémonique du masculin, du phallogocentrisme, réduisant au silence le féminin pour ce qu'il a de subversif, comme un lieu de multiplicité. Donc on s'arrête là, parce qu'ensuite on a le passage sur Foucault. Alors, donc, Iri Garay, son focus, c'est plus effectivement le genre dans la langue, et à cet endroit-là, c'est le fait que il y a deux genres dans la langue, et bien en fait, c'est une sorte de leurre pour masquer le fait qu'en réalité, l'ensemble du discours, et notamment du discours sur sexe-genre, c'est un produit masculiniste. Et ces deux genres dans le discours masquent aussi le fait que le féminin, le vrai, hein, pas celui du masculinisme, que le féminin est, de manière très embêtante pour le masculinisme, bien plus divers que ce que la langue ainsi faite le construit. Il échappe complètement à ces normes de binarité. Donc je sais pas trop si ça nous renvoie à cette idée qu'on avait vue chez Iri Garay du sexe féminin comme multiple, parce que vous avez des jouissances multiples, etc. Je pense que c'est ça. Voilà. Alors, c'est sûr de grammaire substantive aussi, parce que ça, peut-être que ça vous aura un peu arrêté. En gros, ça veut dire comment le langage propose des substantifs, donc des noms, donc homme, femme, et en fait des substances, c'est-à-dire des sujets type humaniste, vous avez compris la chanson, quoi. Donc des trucs qui existent dans le monde, des identités réelles, de réelles personnes, qui sont ces substantifs homme, femme. On reviendra dessus un peu plus tard, sur la question du langage comme produisant des sortes de d'illusions de réalité. C'est un truc qui est traité ensuite par Butler. Ensuite, on va passer au passage sur Foucault. Donc voilà, je vous ai amené jusqu'ici, sur Foucault c'est jusque-là. Alors, pour Foucault, la grammaire substantive du sexe impose un rapport arbitrairement binaire entre les sexes et une cohérence interne non moins arbitraire pour chaque sexe. La régulation binaire de la sexualité réprime la multiplicité subversive d'une sexualité qui perturbe les hégémonies hétérosexuelles, reproductives et médicales juridiques. Donc chez Foucault, on a une langue qui est plutôt conçue comme un ensemble de discours visant à décrire le sexe comme une substance. Un machin préexistant, déjà là, essentiel, qui persiste dans le temps et donc forme l'identité personnelle.
je répète à chaque fois, histoire que ça ne soit pas des trucs que vous perdez en cours de route. Hein. Et donc, c'est un discours qui vient poser une norme sexe, genre, sexualité binaire. Et toujours les substantifs homme-femme, évidemment. Et c'est une norme binaire qui est arbitraire pour Foucault, qui donc aurait pu ne pas être, ou qui aurait pu être autrement, mais dont le but, de toute façon, c'est de régler la sexualité, de la réguler, pardon, pour maintenir, avec son système binaire fixant les identités, l'hégémonie hétérosexuelle. On est bien sûr d'avoir les deux pôles pour qu'ils se mélangent bien de la bonne manière, quoi. Donc là, on a l'idée que le système normatif dominant, qui est hétérosexuel, essaie de se reproduire en imposant ses normes à travers une binarité fixe, persistant dans l'identité comprise comme substance préexistante. Alors je vois qu'il est 19h43 et qu'on commence un gros machin. Ça va être bien, on va parler... ça va être bien. Il y a plein de choses, en fait, c'est très riche. On va parler de des conceptions de Monique Wittig. C'est parti. Donc, alors, pour Wittig, je cite, hein, « Pour Wittig, la réduction binaire du sexe sert les buts reproductifs d'un système. L'hétérosexualité obligatoire. » Donc là, on arrive sur la troisième thèse, genre discours-langage présenté... c'est celle de Wittig, du coup, hein, pardon, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil, là. Mais là, ça va pas être juste trois lignes, ça va être plusieurs pages. Donc on passe à un examen plus resserré de la pensée de Wittig. Donc, c'est parti. Oui, alors, il y a déjà ça que je voulais vous dire. En fait, on retrouve un peu ce qu'il y avait chez Foucault, hein, dans les thèses de Wittig, ce que je viens de vous lire, c'est-à-dire le complexe sexe-genre en binaire homme-femme, qui aura une fonction particulière, donc reproduire le système hétérosexuel en faisant en sorte de le rendre obligatoire. Ça, c'est ce qui avait été dit avant. Donc je continue la lecture. Et on va aller jusque... Ah, ici. À certains moments, elle soutient que l'abolition... Elle, c'est Wittig, hein. À certains moments, Wittig soutient que l'abolition de l'hétérosexualité obligatoire inaugurera un véritable humanisme de la personne affranchie des chaînes du sexe. À d'autres, elle laisse entendre qu'il serait possible de chasser les illusions du sexe, du genre et de l'identité, en faisant proliférer et en diffusant une économie érotique non phallogocentrique. Mais, à d'autres moments encore, il semble que la lesbienne apparaisse comme une sorte de troisième genre, susceptible de transcender la réduction binaire du genre imposée par le système de l'hétérosexualité obligatoire. Alors, on voit, dit Butler, que... Dans la pensée de Wittig, il y a une sorte de volatilité, une sorte de flou, à l'endroit de ce qui permettra, pour elle, de briser la dynamique de l'hétérosexualité obligatoire, et donc du sexisme. Wittig porte plusieurs thèses différentes. Donc, la première, c'est une sorte d'universalisme obtenu par le rejet de l'obligation à l'hétérosexualité. Si on sort des rapports de suggestion induit par l'hétérosexualité, alors seulement les femmes pourront accéder au statut de sujet, comme les hommes. Donc là, on retrouve un peu Beauvoir, mais version critique de l'hétérosexualité. Deuxième thèse, on peut obtenir la dissolution des catégories sexe-genre via la production d'un érotisme qui s'extrait de l'hégémonie masculiniste dans le discours. Donc ça serait quelque chose comme, j'imagine, hein, ne plus faire du pénis le tout de la sexualité, proposer une érotisation sans pénis, ou qui relègue le pénis au même plan que plein d'autres machins, qui alors pourront également prendre de l'importance dans la sexualité. Donc en gros, bousculer les représentations de sexualité en érotisant plein de trucs pas hétéros. Parce que dans les rapports hétéros, il y a une centralité du pénis qui prévaut dans ce type d'érotisme. Ce qui pourrait, pour Wittig, selon Butler, hein, briser les catégories sexe, genre et leur hiérarchie. Faire de l'érotisme, mais autrement. Excusez-moi, je rallume mon moniteur. Alors, et puis donc, troisième thèse, vous avez cette fois-ci la figure de la lesbienne, conçue comme troisième genre par Butler et qui dépasse par son existence le binaire imposé par l'hétérosexualité obligatoire. Ici, on a cette histoire de, pour Wittig, hein, de la lesbienne comme figure clé de la sortie du système sexe-genre. Donc, Butler ne rentre pas ici dans les détails, mais en gros, si on connaît Wittig, même de très loin, hein, on sait qu'elle a écrit cette phrase célèbre, « La lesbienne n'est pas une femme ».
Donc la lesbienne n'est pas une femme psychophytique, ça veut dire que elle n'est pas une femme parce qu'elle n'est pas assujettie à l'hétérosexualité et à ses rapports hiérarchiques intrinsèques de domination masculin sur le féminin. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Y a une vidéo dédiée à la question des thèses de Wittig, où je résume l'ouvrage, enfin, le recueil de Wittig, La pensée straight, si vous voulez avoir plus de détails, je ne vais pas trop traîner maintenant sur ça. Mais n'hésitez pas à faire un tour pour voir, peut-être que ça vous aura un peu... vous aurez un peu trouvé ça bizarre. Donc si vous voulez vraiment les détails, n'hésitez pas. Voilà. Et de toute manière, on va continuer à explorer la pensée de Wittig en poursuivant la lecture de Butler. Mais c'est vrai que Butler ne revient pas spécifiquement sur la figure de la lesbienne. Donc voilà, c'est plus présent dans la pensée straight et c'est plus présent dans ce que j'en dis dans cette vidéo. Bref, en gros, pour résumer Wittig, en gros, on a la langue, c'est la langue de l'érotisation. C'est des codes érotiques dont il s'agit. Donc, bousculer la grammaire de l'érotisme, c'est, pour Wittig, bousculer le système de l'hétérosexualité obligatoire, qui se nourrit des normes sexe-genre. Et c'est à partir de là, du coup, qu'on peut avoir cette émergence d'un vrai sujet pur, sorti de ces questions de sexe et de genre, et qui viennent se poser les vrais problèmes, qui ne soient pas des problèmes de domination entre hommes et femmes, quoi. Ok. Alors ensuite on passe à un autre paragraphe. Est-ce que je n'avais pas baissé? Qu'est-ce que c'est une entité en sociologie? Une entité en sociologie? Je pense que ça dépend un peu de ce que tu entends par là. Là, dans ce que j'ai pu dire, par exemple, c'était l'histoire du sujet universel comme... du sujet universel. En gros, de l'idée que vous avez un sujet préexistant à des actions. Un noyau dur qui soit le centre d'action, avec ensuite des déclinaisons de diverses manières, quoi. Je suis pas sûre de comprendre exactement la formulation de ta question. N'hésite pas à préciser. Ok, en attendant, je vais poursuivre, parce que, à vrai dire, on n'est pas trop dans la sociologie, là, on est chez Wittig. Wittig, elle est plus dans philo-littérature, on va dire, que dans sociologie. Alors, continuons, du coup. Attention, il va y avoir une page à tourner. Hop. Dans son apologie du sujet cognitif, Wittig semble n'avoir aucun contentieux métaphysique avec les modes hégémoniques de la signification ou de la représentation. En effet, il semble que le sujet, avec ses attributs d'autodétermination, soit une façon de réhabiliter l'agent du choix existentiel avec la figure de la lesbienne. L'avènement du sujet individuel, ça c'est une citation de Wittig, l'avènement du sujet individuel exige d'abord la destruction des catégories de sexe. Lesbienne est le seul concept que je connaisse qui soit au-delà des catégories de sexe. Fin de citation de Wittig. On retourne sur Butler. Wittig ne critique pas le sujet comme invariablement masculin, d'après les règles d'un symbolique nécessairement patriarcal, mais propose de le remplacer par l'équivalent d'un sujet lesbien à titre de sujet parlant. Donc là, effectivement, on a un peu plus de détails. Donc, en gros, ici, Butler, elle précise que par rapport à sa propre pensée, développée jusque-là, qui est une critique de l'hégémonie, domination de la notion de sujet et de la politique de la représentation qui s'y associe, en fait, par rapport à ça, Wittig, elle n'est pas du tout critique de ce sujet-là et de la représentation. Au contraire, elle reste dans les cadres hégémoniques dominants sur ces points-là. Donc le type sujet humaniste, donc je le répète, hein, c'est un noyau délibératif et des attributs non essentiels. Le sujet type humaniste est repris par Wittig tel quel, et il est même vu comme un but. La figure de la lesbienne, est d'ailleurs décrite par Wittig dans la citation là qu'on vient de lire, comme étant précisément ce qui permet d'arriver au vrai sujet, au-delà des catégories de sexe. Parce que les catégories de sexe, pour Wittig, elles sont aliénantes, ou quelque chose dans ce goût-là, parce qu'elles créent de la hiérarchisation.
Par conséquent, Butler conclut que Wittig ne propose, et elle ne propose effectivement pas, de lecture critique du sujet, comme étant une production masculiniste. Elle veut plutôt changer le sujet en le sortant du genre et en passant par la figure de la lesbienne comme véritable sujet. Donc bon, évidemment, ça j'en avais déjà parlé, mais la figure de la lesbienne chez Wittig, c'est un truc qui a fait couler beaucoup d'encre, ça a été énormément discuté, voilà, notamment par Butler. Mais c'est pas spécifiquement le sujet ici, c'est juste un passage, en gros. Alors, on va continuer notre petite lecture. Je cite. Réduire les femmes au sexe revient, pour Beauvoir comme pour Wittig, à associer la catégorie femme aux traits apparemment sexualisés de leur corps. Et c'est donc refuser aux femmes la liberté de l'autonomie dont les hommes sont censés jouir. C'est pourquoi détruire la catégorie de sexe revient à détruire un attribut, le sexe, qui, par une synecdoque misogyne, est venu prendre la place de la personne, du cogito autonome. Pour le dire autrement, seuls les hommes sont des personnes, et il n'y a qu'un seul genre, le féminin. Donc là, on revient sur des thèses relativement classiques, hein, et à l'association de Wittig à ces thèses. Donc là, il y a l'explication d'une convergence entre Wittig et Beauvoir. Seul le féminin, pour Wittig et Beauvoir, est marqué en tant que sexe. Seules les femmes sont réduites, ce faisant, à être leur corps en tant que sexué, tandis que le masculin est le seul à être considéré comme un sujet et comme une personne. Donc ici, on a l'idée que le sujet femme tel qu'il est conçu, en version masculiniste, chez Wittig et Beauvoir, il est limité, c'est une limitation du corps, c'est être empêtré dans la matière, alors qu'à côté, vous avez les hommes, la catégorie homme, qui reflète plutôt la liberté du sujet, le choix, la décision, la rationalité, l'esprit, etc. Enfin, vous voyez tout ce genre de dichotomie avec des qualificatifs qui sont très distinguants, quoi, et très hiérarchisants. Et ce qui se passe, c'est la catégorie de sexe, elle est venue, du côté des femmes, remplacer la catégorie de personne ou de sujet. Et du coup, forcément, il n'y a pas de femmes sujet. Il y a des femmes corps, sexe, etc. Donc à partir du moment où on a noté ça, c'est sur ça qu'il faut travailler, quoi. Donc, on va... Là, je saute un petit passage de citation, parce qu'ensuite, c'est très bien résumé. Hop, je tourne la page. Donc... Hop. Je vois qu'il y a une question... Je finis juste le 42 et ensuite je réponds. Hop, on va aller jusqu'ici. Voici pourquoi Wittig appelle à détruire le sexe, pour que les femmes puissent accéder au statut de sujet universel. Sur la voie de cette destruction, les femmes doivent adopter un point de vue à la fois particulier et universel. Sujet incapable de réaliser l'universalité concrète à travers la liberté, la lesbienne de Wittig accepte, plus qu'elle ne refuse, la promesse normative des idéaux humanistes fondés sur la métaphysique de la substance. Alors ça c'est un truc un peu flou, hein, mais en gros la conclusion de Wittig c'est qu'il faut virer la notion de sexe pour que tout le sexe, les femmes, puissent devenir également des sujets et se hisser au niveau de ce qu'on accorde au faux sexe des hommes. C'est-à-dire le fait de ne pas être des corps, mais d'être des intellects, des sujets, etc. Et alors les phrases 2 et 3 de ce passage-là sont extrêmement mystérieuses. Pourquoi à la fois particulier et universel ? Et la citation qui est faite est peu éclairante d'un point de vue argumentatif. À travers la liberté, ok, d'accord, mais la liberté de quoi ? Donc ça, je pense qu'on a ici une sorte d'élucidation de certains textes de Wittig qui ne sont pas cités ici, et j'ai vérifié d'ailleurs dans les citations qui sont rapportées, ça n'explique pas plus, hein, donc je ne sais pas trop ce qu'elle entendait par là. Mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, la fin de la dernière phrase devient plus éclairante. En fait, effectivement, Wittig ne refuse pas, mais au contraire, adopte le concept hégémonique de sujet-substance. C'est en gros tout ce qu'il y a à retenir. C'est qu'il y a des choses très intéressantes chez Wittig, mais au final, ce que cherchait Butler n'est pas présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique du sujet comme substance. Mais pourtant, il y a autre chose qu'on trouve chez Wittig. Alors, on finit
jusqu'ici. Wittig se distingue sur ce point de Irigaray, non seulement par son matérialisme, qui s'oppose, on le sait, à l'essentialisme, mais aussi par son adhésion à une métaphysique de la substance, entérine le modèle normatif humaniste comme un cadre de référence du féminisme. Lorsque Wittig semble souscrire à un projet radical d'émancipation lesbienne et admettre une distinction entre lesbiennes et femmes, c'est à travers la défense d'une personne non encore genrée, définie par sa totale liberté. Donc là, ce que dit Butler, alors je vais prendre un petit peu de temps, parce que s'il y a des choses un peu compliquées en termes de distinction conceptuelle, donc Butler dit « Wittig, elle est matérialiste, par opposition à l'essentialisme d'Irigaray, chez qui on voit bien qu'il y a quelque chose qui existe comme le féminin, très ancré dans la différenciation sexuelle au sens du corps, et un corps un peu caricaturé. » Et chez Wittig, en gros, c'est team matérialiste, donc l'oppression des femmes n'est pas dérivée de leur corps, c'est un construit social porté par diverses institutions. Alors ça peut paraître contre-intuitif. On se dit, oui, mais la matière, c'est le corps c'est un donné. Et en fait, finalement, un certain recours au corps dans l'explication est désigné comme essentialiste, alors qu'on se dit qu'une essence, c'est immatériel. Vous voyez, donc là, on a un petit problème de vocabulaire qu'il faut régler. Parce qu'en fait, on voit que le matérialisme, ben c'est pas le corps, c'est l'inverse, c'est la dénonciation des institutions sociales de domination. La matière, pour les matérialistes, ce sont des rapports sociaux construits. Et c'est ça qui doit être compris comme base matérielle. Ça peut paraître un peu confus, mais il faut bien se rappeler que le matérialisme, sa maison d'appartenance initiale, c'est le marxisme. Et dans le marxisme, il n'y a pas de théorisation du prolétariat comme étant dominé du fait de la nature de son corps. On désigne des structures sociales contingentes qui servent l'intérêt d'un groupe dominant. C'est ça, le matérialisme, ou du moins une certaine forme de matérialisme. Je vais essayer de ne pas être réductrice là-dessus. Mais c'est, en gros, ce de quoi on parle là maintenant. Et l'essentialisme, au contraire, c'est dire quelque chose comme « tel corps a mené telle situation sociale », donc quelque part, c'est écrit dans la nature. Voilà, c'était quelque chose qu'il fallait que je reprécise. Donc Wittig est matérialiste. Deuxième point de distinction entre Irigaray et Wittig, Irigaray, on l'a vu, elle refuse les histoires de sujets humanistes comme point d'arrivée du féminisme, puisqu'elle dit que tout ça, c'est une production masculiniste. Et donc Wittig, elle, elle souscrit complètement à la métaphysique humaniste, avec sujet, attribut non essentiel, dont le genre. Et la lesbienne, pour Wittig, c'est pas une femme, parce qu'elle n'est pas dans la situation d'assujettissement de l'hétérosexualité. Donc elle n'est pas un sexe, elle n'est pas réduite au corps. Et elle est dans la situation du sujet libre, etc. Alors peut-être que si on voulait extrapoler, en tirant un peu le truc, si Wittig dit « la lesbienne n'est pas une femme », elle pourrait très bien dire « l'homme hétérosexuel n'est pas un homme ». Ça marcherait aussi, en fait. Je pense que c'est un peu le corollaire. En gros, la seule à être une femme, c'est la femelle hétérosexuelle. Voilà. Et à être un sexe. Ok. Je finis et ensuite je viens vous lire, j'arrive tout de suite. Il n'y a plus grand chose. Ce mouvement ne fait pas que confirmer le statut pré-social de la liberté humaine. Il souscrit aussi à cette métaphysique de la substance responsable de la production et la naturalisation de la catégorie même de sexe. Donc Wittig, elle prend sur elle l'idée qu'il y a un sujet libre avant la socialisation, et donc intouché par elle, et qui ne provient pas de la socialisation. Et en même temps, dit Butler, Wittig tombe dans le panneau du fait que c'est précisément cette conception du sujet, qui est, pour Butler, à l'origine de la naturalisation de la catégorie de sexe. C'est-à-dire que la pensée du sujet type humaniste, etc., elle fait du sexe un donné, le corps, indépassable. Même si on considère qu'il est insignifiant. Donc pour Butler, on a chez Wittig une analyse incomplète du problème, parce que la question du corps sexué n'est pas pris en charge, et laisse la porte ouverte à la naturalisation. Et donc in fine, si on suit le mouvement, un pas de plus, et en fait plouf, on retombe dans l'essentialisme, ou du moins on ne produit pas une critique de la catégorie de sexe comme issue des normes de genre. Voir ce qu'on a dit plus haut, quoi. Donc au final, Wittig, c'est un peu le même problème que Beauvoir. Mais on va pas tout de suite l'éjecter, on va revenir dessus. Alors je fais une mini-pause pour vous lire.
c'est la même dynamique que la neutralité du masculin dans la langue. Oui, c'est ça. Est-ce que le masculin comme sujet, ça implique toutes les masculinités? Eh bien, en fait, ça, c'est, on est dans un type d'analyse où il n'y a pas les masculinités, mais où on a une sorte de masculinité idéale qui est pensée comme étant un truc désincarné, capable de raison et de toutes ces choses-là. Vous voyez, donc, ce serait plutôt une masculinité de type désincarné et portée plus sur l'intellect, la décision, le contrôle, etc., et pas porté sur l'analyse du corps. Et la question de la diversité des masculinités, elle est plus étudiée en sociologie, par exemple, ou en anthropologie, que dans ce genre de texte, parce que ici, on parle vraiment du concept de sujet comme le truc désincarné en dessous du corps, voyez. Donc on n'en est pas encore à la masculinité de l'homme androgyne, la masculinité de l'homme ceci, cela. On est en deçà du truc, plutôt dans le règne de le choix pur, quoi. Genre un concept abstrait, oui. Une masculinité hégémonique symbolique. Ouais, c'est pas mal, ça. Ouais, une masculinité hégémonique symbolique. Merci beaucoup, Kairis. Alors, je vois... Alors, c'est pas la tempête dehors, c'est juste qu'il se trouve qu'il y a un pouf dans mon salon avec des billes dedans, donc dès que quelqu'un bouge dedans, c'était pas moi évidemment, mais dès que quelqu'un bouge dedans, ça fait un sacré bruit, voilà. Alors, je vois qu'il y a une réponse. Les masculinités non considérées comme sujets sont justement exclues de la masculinité. Exactement. Merci beaucoup, Lucille. Ok. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir continuer. Si vous ne m'en voulez pas, il y a encore un petit peu de travail avant d'arriver là où je voudrais aller. Voilà, bon, évidemment, comme d'habitude, je ne retiens personne. Le but étant d'arriver... Encore un peu loin quand même, hein, j'ai l'impression. Il nous reste... Alors, on est à la page 89. Ah non, on n'est pas si loin que ça de... Où voulais-je aller? Bon, bah écoutez, si vous ne tenez plus, je ne vous retiens pas. Moi, je vais continuer encore quelques pages, histoire d'arriver jusqu'où je voulais arriver. Voilà. Alors, du coup, là, ça va être super intéressant. Désolée pour ceux qui veulent partir. Moi, j'aime beaucoup ce passage. Hop. Alors, je continue à lire. Est-ce que je suis bien arrivée là? Alors, la métaphysique de la substance est une expression que les commentateurs et commentatrices de discours philosophiques associent aujourd'hui volontiers au nom de Nietzsche. Dans un commentaire sur Nietzsche, Michel Haard défend l'idée qu'un certain nombre d'ontologies philosophiques se sont fait piéger par des illusions sur l'être et la substance, fortes de la conviction que la forme grammaticale du sujet et du prédicat reflétait la réalité ontologique préexistante de la substance et de l'attribut. C'est formidable. Pardon, j'aime beaucoup ce genre de thèse, c'est très intéressant à expliquer. Et là, on rentre vraiment dans du bidouillage philosophique, enfin du bidouillage, dans du travail philosophique de type très philosophique, pardon. Alors, du coup, en gros l'idée, c'est que il y a des philosophies qui ont pensé être et substance en se fondant sur la forme que prend la grammaire. En tout cas, la grammaire de la langue parlée par des philosophes. Et donc ça fait des trucs du genre « je », sujet, plus, je sais pas, « je suis », « je mange », donc ou « je porte du bleu ». Donc on a un sujet plus un attribut. Et nécessairement, ce genre de structure grammaticale véhicule l'idée que bah, il y a quelque chose qui est un quelqu'un qui agit et qui donc préexiste à l'action ou à toutes ses propriétés. Cette action fut-elle juste, je pense, pensée,
Rappelez-vous, Descartes, je pense, non, je suis. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que... Alors, qui lui avait répondu ça? Est-ce que c'était Locke? Il avait répondu quelque chose du genre « je me promène, donc je suis une promenade ». Voilà, le genre de vanne de philosophe. Ok, donc c'est dans cette structure grammaticale que émerge l'idée d'un sujet qui fait truc, ou qui a machin, ou qui est machin. En fait, le sujet, quelque part, c'est une sorte d'illusion grammaticale. Alors, je continue. Hop. Ces constructions, nous dit Arre, sont des astuces philosophiques qui permettent de réaliser la simplicité, l'ordre et l'identité. Pourtant, il est absolument impossible de dire qu'ils dévoilent ou représentent le véritable ordre des choses. Donc ces histoires de sujet prédicat, je plus suis, effectivement, ça a une utilité d'un point de vue pragmatique. Et qui plus est, ça fait partie du langage, donc quelque part c'est dur de s'en défaire. Mais en même temps, Butler dit que ça ne dit rien du monde, ou pas nécessairement. En fait, c'est une manière de se représenter les choses qui pourrait très bien être fausse. C'est juste des structures grammaticales. Ok, on continue. Cette critique nietzschéenne sert notre propos, si on peut l'appliquer à des catégories psychologiques qui gouvernent le plus souvent la pensée populaire et théorique sur l'identité de genre. Selon Arre, la critique de la métaphysique de la substance implique une critique de l'idée même de la personne psychologique en tant que substance. Donc Butler dit, cette idée, avec l'histoire d'illusion grammaticale, là, de sujet comme illusion grammaticale, cette idée c'est intéressant. Et effectivement, Arre, donc le commentateur de Nietzsche, Arre dit que la critique de la métaphysique de la substance, comme étant seulement une fausse route grammaticale, elle implique aussi la question de l'identité personnelle. Pour reformuler ça dans les termes qui nous intéressent, et il ne me semble pas que je nous emmène trop loin en faisant ça. Donc, présenter la personne comme un intellect, comme une psyché, comme un sujet, eh ben, c'est la même histoire donc, que sujet-substance, qui a des attributs, des prédicats. Donc on a un individu qui se trouverait être une femme, par exemple. Mais là, on ne sait pas trop à quoi fait référence Butler, si ça inclut Wittig ou pas, c'est un peu mouvant, quoi. Donc ensuite, on passe la citation, je crois que ça n'apportait rien en particulier... Hop, désolé pour Michel. Hop, zoup. Si vous voulez, vous avez la référence pour aller lire Michel Arre. Ok, alors du coup, on va retourner chez Wittig, et ça va être encore très intéressant. C'est Hobbes, exactement, la promenade. Merci, j'avais oublié. Alors, Wittig émet une autre forme de critique en montrant que les personnes ne peuvent pas être signifiées dans le langage indépendamment de la marque du genre. Elle fait une analyse politique de la grammaire du genre en français. Selon Wittig, le genre ne fait pas que désigner des personnes, les qualifier, si l'on peut dire, il constitue aussi un schéma conceptuel par lequel la binarité du genre devient universelle. Dans la langue française, tous les noms, et pas seulement les personnes, ont un genre. Mais Wittig pense que son analyse s'applique aussi à la langue anglaise. Voilà, il manquait juste un mot. Hop. Alors. Là, j'en étais... Ok. Chez Wittig, je pense que c'est ça que veut dire Butler, en fait, il y a eu aussi une analyse des effets du langage comme induisant l'idée que certaines catégories grammaticales ont une existence réelle dans le monde, et pas seulement en tant que forme pratique du langage. Sauf que l'analyse de Wittig, elle ne porte pas juste sur les notions de sujet et prédicat, mais plutôt sur la marque du genre. Et le genre est au-delà d'un simple qualificatif attribut des personnes. C'est pas juste un truc qu'on accroche pour décliner telle ou telle modalité d'un sujet. En fait, chez Wittig, il y a une universalisation du masculin et du féminin au-delà des personnes. Et du coup, ça produit des catégories qui sont bien au-delà de juste homme et femme. C'est-à-dire que, tu vois, vous parlez de la chèvre, vous parlez de la pierre, le clavier,
ce que vous voulez. Donc on a une, le genre se trouve dans l'intégralité de la langue. Ok, donc poursuivons. Hop, donc là on va lire une petite citation, une fois n'est pas coutume. Au début de son article intitulé « La marque du genre », donc là c'est, ça doit être dans La Pensée Straight, c'est un article de La Pensée Straight. Oui, tu as tout à fait raison. Pour Wittig, la marque E au féminin montre que le masculin est la référence, le neutre. Et exactement, tout à fait, c'est ça. Donc je dis, je répète, et cette fois-ci je cite, au début de son article intitulé « La marque du genre », elle écrit, donc citation de Wittig, « Pour les grammairiens, la marque du genre a trait au substantif. » Substantif, c'est les noms. « Il n'en parle qu'en termes de fonction. » Ce n'est que par manière de plaisanterie qu'il la remet en question, par exemple quand il parle du genre comme d'un sexe fictif. Dans la mesure où les catégories de la personne sont touchées, on peut dire que, à la fois l'anglais et le français pratiquent le genre, autant l'un que l'autre. Tous deux portent l'inscription du concept, d'un concept ontologique primitif qui renforce dans le langage une division des êtres en sexe. En tant que concept ontologique qui touche à la nature de l'être, tout comme un ensemble de concepts primitifs qu'on a reçus de la philosophie grecque. Le genre semble relever en premier lieu de la philosophie. Donc, ce qu'ajoute en compréhension la lecture de cet extrait de Wittig, là on a fini l'extrait de Wittig, c'est l'idée que masculin, féminin, dans les langues, donc la marque du genre, ça a en effet, un effet en dehors de la grammaire. Ça a des répercussions sur l'ontologie, c'est-à-dire la manière dont on va découper, classer et hiérarchiser les êtres du monde, tous les êtres. Ce sont donc des catégories fondamentales pour la pensée que le masculin et le féminin. Et donc oui, il y a le « e », et puis dans d'autres langues, il y a d'autres déclinaisons, en fait. Ok, alors, on poursuit. Dire que le genre relève de la philosophie veut dire, pour Wittig, qu'il relève de ce corps de concepts qui vont de soi, sans lequel les philosophes croient qu'ils ne peuvent pas raisonner, et qui pour eux sont des a priori car ils existent avant toute pensée, tout ordre social dans la nature. Donc on a une précision de Butler sur cette histoire de philosophie par Wittig. En gros, Butler dit... ce que Wittig dit, c'est qu'il y a des présupposés en philosophie qui restent impensés. Et la répartition des êtres en sexe-genre en fait partie. Pour la pensée, du moins la pensée occidentale, je pense que c'est de ça dont il s'agit, évidemment, ethnocentrisme, penser en sexe, ça va de soi, ça ne fait partie... ça ne fait pas partie des choses à penser. C'est la nature, donc voilà. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on en dise ? Donc c'est pas un truc qui est thématisé trop en philosophie. Ah ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je passe d'une fenêtre à une autre et il se met à écrire. Oh là ! Ok, voilà. Ah, c'est très curieux, je viens de me rendre compte qu'en passant par OBS, je pouvais écrire sur le fichier ouvert en Krita. Si ça, ça a du sens. Bon, alors, du coup, continuons à lire. Donc, on va reprendre ici et on va aller jusque là. Je lis. Le point de vue de Wittig se trouve corroboré par le discours populaire sur l'identité de genre qui conjugue, sans esprit critique, le verbe « être » au genre et aux sexualités. Revendiquer comme si cela ne posait aucun problème le fait d'être une femme ou d'être un ou une hétérosexuelle serait un symptôme de cette métaphysique de la substance pour le genre. Autant pour les hommes que pour les femmes, cette revendication tend à subordonner la notion de genre à celle d'identité et nous porte à conclure qu'une personne est un genre et qu'elle l'est en vertu de son sexe, de la perception psychique de soi et des diverses expressions que peut prendre ce soi psychique, dont la plus saillante est le désir sexuel. Ok. Donc, ici, Butler, elle propose de comprendre et de confirmer la thèse de Wittig en disant « Effectivement, on peut trouver des personnes qui disent être homme, femme, hétéro, gay, lesbienne, bisexuelle, tout ce que vous voulez, et des personnes donc qui disent être
et pour qui ça fait sens de se présenter de cette manière. Et bien pour Butler, en fait, si on suit Wittig, ça serait la manifestation d'une pensée de l'être, d'une pensée de la substance, hein, en tant qu'elle est habitée, formée par l'ontologie du genre, c'est-à-dire tout divisé en masculin, féminin. Le sujet, donc, il est une identité sexuée ou genrée dans ce type de pensée-là. Et évidemment, ça ne sortirait pas de nulle part, puisque ce sont des conceptions qui sont rattachées au complexe sexe, genre, sexualité, qui apparaît comme un donné persistant. Donc le corps, la continuité psychique d'une perception de soi en tant qu'identité, les comportements censés en découler naturellement, et surtout les comportements sexuels. Donc ce qui est appelé la métaphysique de l'identité de genre, c'est ça. C'est identifier une substance sexuée genrée, et ayant une sexualité, qui est constitutive de la substance de la personne. Et cette métaphysique serait issue, donc, de cette erreur facilité de glisser de catégories grammaticales pratiques à des catégories de l'être réelles. Ok, donc là, c'était juste le développement de la critique nietzschéenne à travers, en gros, ce que Butler comprend de Wittig. Voilà, donc, on va continuer à lire. Là, on passe un peu à autre chose, mais ça continue, évidemment. Dans un cadre pré-féministe, le genre que l'on confond naïvement, plutôt que dans une perspective critique avec le sexe, sert de principe unificateur du soi incorporé et maintient cette unité envers et contre le sexe opposé, dont la structure est censée maintenir un parallèle, mais aussi une cohérence oppositionnelle interne entre le sexe, le genre et le désir. Donc avant l'analyse féministe, c'est ça qui est dit, hein, avant qu'on ait une analyse féministe qui a formulé la distinction sexe et genre, les deux, sexe-genre, étaient liés ensemble, au sens où les comportements de genre découlant naturellement du sexe, sans qu'il y ait même de distinction, puisque tout comportement était pensé comme découlant d'une complexion physique homme ou femme. Et bien sûr, opposition, homme-femme, tout ça bien structuré en opposition, distinction. Bon là, c'est un peu out of the blue hein, comme analyse. Ça demanderait par exemple des études en histoire très poussées, hein, mais passons. Et on va tourner la page parce que ça continue, et c'est très intéressant. Qu'une personne de sexe féminin puisse dire « je me sens une femme » ou qu'une autre de sexe masculin puisse dire « je me sens un homme » repose sur l'idée que la redondance dans ces énoncés ne les rend pas pour autant insignifiants. Bien qu'il puisse sembler qu'être d'une certaine anatomie ne soit pas problématique, mais je montrerai plus loin comment un tel projet est aussi semé d'embûches, on considère que l'expérience que l'on fait d'une prédisposition psychique ou d'une identité culturelle genrée est un accomplissement. En fait, c'est pas parce que avant le féminisme on mélangeait sexe et genre que être un homme ou être une femme ça allait de soi. Puisqu'on voit bien qu'en fait il y a un décalage entre présenter telle ou telle anatomie et faire l'expérience interne, psychologique, identitaire, censée être associée à cette anatomie en particulier. Même dans une perspective non critique, entre guillemets, il y a un moment d'avènement, on dirait, ou un événement particulier de l'être homme ou de l'être femme. Et il se trouve que, en fait, l'expérience psychologique ne se réduit pas à l'expérience corporelle, dans ce cas-là, même si elle est censée en découler naturellement, et ça se manifeste dans divers trucs culturels. La version réduite pour l'exemple de Butler, ici, étant de dire que « je me sens femme » ou « je me sens homme », quoi. Ce qui, in fine, correspond à être homme ou femme. Et donc on est dans la métaphysique de la substance, etc. Donc je finis le passage, où on répète un peu la même chose, mais lisons-le. C'est pourquoi « je me sens femme » est un énoncé vrai si on considère qu'Aretha Franklin invoque l'autre comme instance de définition. Avec toi, je me sens naturellement femme. Il doit y avoir une chanson que je ne connais pas. Cet accomplissement nécessite une différenciation par rapport au genre opposé. C'est ainsi que l'on est son genre, pour autant que l'on ne soit pas du genre opposé. Une formulation qui a pour condition nécessaire le genre et qui le réduit à une modalité binaire.
Donc bien sûr, ce que ça dit, c'est il y a l'idée que le genre a un but de différenciation. On est un homme parce qu'on est en opposition à quelqu'un qui serait une femme, et inversement. Donc là, c'était pas trop trop difficile à comprendre, quoi. Ok, je poursuis. Je vais juste vérifier où est-ce qu'on est censé en être. Ça c'est quoi? C'est 46. Oh là là, incroyable, je vais vous emmener exactement jusqu'où je voulais aller, c'est improbable. Et pourtant, on a eu des problèmes techniques. Bon, je sais pas pourquoi, la semaine dernière, on avait pris beaucoup de temps pour juste très peu de choses. Mais probablement parce qu'on avait fait un détour pour parler d'Irigaray et lire une notice de dictionnaire, bref. Alors, donc, je disais que je lis la suite que j'ai appelée 46. Bon, vous ne le voyez pas, mais ça s'appelle 46. Le genre ne peut dénoter une unité de l'expérience, du sexe, du genre et du désir que lorsque le sexe est compris comme ce qui nécessite, d'une certaine manière, le genre et le désir. Le genre étant ici une désignation psychique ou culturelle du soi, le désir étant hétérosexuel et se différenciant donc dans un rapport d'opposition à l'autre genre qui est son objet. Donc là, on a un déploiement de la manière dont advient l'unité du complexe sexe-genre-sexualité. Nommé genre comme unité pour désigner l'ensemble de la métaphysique du genre. Okay, c'est ce que vous voyez sur le fameux truc là avec le genre à l'extérieur, là sur le schéma que j'avais mis, qui est toujours là d'ailleurs. Blablabla. Donc je disais, on a ici le déploiement donc de la manière dont advient l'unité du complexe sexe-genre-sexualité. Donc le sexe comme appelant nécessairement et le genre, sentiment de soi, et le désir, sexualité hétéro, qui induit que la sexualité doit avoir lieu entre des individus opposés de manière binaire, et pas entre des individus semblables. Bon, rien de très compliqué, continuons. La cohérence interne, ou l'unité de chaque genre, homme ou femme, requiert ainsi une hétérosexualité qui soit un rapport stable et simultanément d'opposition. Cette hétérosexualité d'institution nécessite et produit l'univocité de chaque terme, marqué par le genre, qui limite le champ du possible au système d'opposition dichotomique de genre. Tout va bien, il y avait juste des mots un peu compliqués, mais tout va bien. Tout va bien parce que, qu'est-ce que je disais, où est-ce que j'en suis ? J'en suis à dire que, en fait, ici, Butler insiste sur l'importance, elle aussi, comme Foucault éthique, de l'hétérosexualité dans le genre. L'hétérosexualité, c'est ce qui entretient la différenciation binaire et sa nécessité. C'est l'opposition binaire dont le théâtre est la pratique de l'hétérosexualité qui vient fixer le genre. Donc on va lire un truc qui répète, mais lisons-le quand même. Alors, cette conception du genre, outre qu'elle présuppose un rapport causal entre le sexe, le genre et le désir, implique que le désir reflète ou traduit le genre, et que le genre reflète ou traduit le désir. On pense que l'on peut vraiment connaître l'unité métaphysique, on pense que l'on peut vraiment connaître l'unité métaphysique de ces trois termes, et que cette unité se traduit en un désir distinctif pour le genre opposé, c'est-à-dire une forme d'hétérosexualité oppositionnelle. Donc là, c'est un peu la répétition de ce qui précède, sexe, genre, sexualité, c'est un paquet vu comme une unité réalisée à travers l'opposition de l'hétérosexualité. Et puis on va finir, ça va être le dernier passage qu'on va lire ce soir, et ensuite je vous explique un peu comment ça va se passer. Alors, je cite... Paradigme naturaliste, qui établit un lien direct et causal entre le sexe, le genre et le désir, ou paradigme d'expression authentique où un vrai soi se révèle simultanément ou successivement dans le sexe, le genre et le désir, le vieux rêve de symétrie, pour reprendre les termes d'Irigaray, est ici présupposé, réifié et rationalisé. Ok, c'était un truc un peu pas clair, mais en gros, il y a deux manières de transformer le genre en substance. Donc le genre, c'est relation, organisation politique du champ social, pour Butler. Il y a deux manières de faire de tout ça une substance. Donc un truc qui existe avant toute socialisation. Donc vous avez la version naturaliste, à partir qui part du sexe biologique, comme nécessité faisant découler sexe et sexualité. Et vous avez la version
révélation d'une identité profonde qui appelle un alignement sexe, genre, sexualité. Et en fait, on s'en fiche du moment qu'on peut encore tirer des hommes et des femmes qui ont des rapports sexuels les uns ensemble, de par leur être opposé de manière binaire. Parce que dans un cas comme dans l'autre, en étant naturaliste ou en étant en révélation d'une identité profonde, on a la production de substances, d'êtres qui sont censés exister dans la réalité réelle de la vérité vraie, qui sont des hommes et des femmes. C'est leur identité, sans ça, il n'y a personne. Point barre. Ok, donc là, je pense que vous comprenez pourquoi Butler a eu de sérieux problèmes avec les théoriciens et théoriciennes transféministes. À ce sujet, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les transféminismes, où justement, il y a un aimable chapitre qui s'appelle Fuck You, Judith Butler. Voilà. Si vous vous posiez la question, vous pouvez savoir très vite. Donc ensuite, on va sauter un truc. Et alors, ce qu'on ne va pas lire, vous pouvez quand même regarder à quoi ça ressemble, dans le sens où, dans 2 semaines, peut-être, j'espère, si tout se passe bien, dans 2 semaines, on va parler de Foucault. Évidemment, Foucault est coupé. Voilà. On va parler de Foucault dans 2 semaines. Et ça va nous demander un petit peu de préparation. Donc on va vouloir prendre son temps. Et on va évoquer la semaine prochaine, avec Butler, qui en parle, un texte de Foucault, qui est assez court, qui est une préface à la publication d'un texte qui s'appelle « Herculine Barabin, dite Alexina B. ». Et donc, c'est un truc qu'on avait évoqué, je crois, en lisant la table des matières, et c'était venu avec... En gros, l'idée que c'est le récit de la vie d'une personne intersexe. Ok. Et ça va nous demander un petit peu de temps, donc on va laisser ça pour un peu plus tard, pour dans 2 semaines, et je vais vous rajouter, alors je voulais le faire cet après-midi, mais malheureusement j'ai eu des problèmes de micro, je voulais vous rajouter un audio de ce texte de Foucault, comme ça vous avez accès au texte, je me dis que ça pourrait être sympathique, donc je... le mettrai en ligne une fois que je l'aurai enregistré et nettoyé, tout ça, en début de semaine prochaine. Éventuellement, guettez un peu les réseaux ou inscrivez-vous à la newsletter si vous le souhaitez, parce que j'indique ici les choses que je fais de temps en temps, pas plus d'une fois par mois normalement. Donc voilà, je vous mettrai ça en ligne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Et puis après, on va s'arrêter. Oui, au moins c'est clair jusque dans le titre de chapitre. Ouais. Effectivement. C'est un titre que j'ai repris en citation justement d'un texte de Butler qui traitait de elle-même se faisant insulter. Alors, ce n'est vraiment pas clair pour moi, incompatibilité Butler et transféminisme. En fait, ok, pour revenir très brièvement dessus, là ce que dit Butler, c'est une attaque extrêmement frontale. Extrêmement frontal. En gros, ça peut être perçu comme une attaque par les personnes transbinaires, par exemple. Dans le sens où elle est en train de dire si vous pensez que vous êtes une femme ou un homme, poète, c'est une bonne blague, vous n'êtes que une série d'actes que vous performez. Et effectivement, lu comme ça, lu comme ça pour toutes les personnes qui, effectivement, personnes trans ou pas, hein, d'ailleurs, ont une très forte identification et un rapport particulier à la notion d'identité, notamment d'identité de genre, c'est assez difficile à accepter. Et puis il y a aussi, il y a eu aussi des conflits énormes en termes de stratégie, parce que justement, Butler a été très critique de la question, on l'a vu, hein, de la question de la représentation et de la question de l'identité. Donc tout ça, c'est des débats internes à la fois philosophiques et militants qui font qu'il y a une opposition, en tout cas sur certains points, entre Butler dans certains de ses textes et d'autres théoriciens, théoriciennes qui se revendiquent plutôt du transféminisme que de la continuité de Butler, par exemple. Voilà.
Alors, est-ce que j'ai répondu à la question sur les entités? Eh bien, en fait, j'ai répondu que j'étais pas tout à fait sûre de comprendre ce que t'entendais par identité en sociologie. Pardon, entité. Entité, excuse-moi, entité en sociologie, dans le sens où, je ne sais pas si tu parles par exemple de questions d'épistémologie, ah ça coupe à nouveau, si tu parles de questions d'épistémologie ou qu'est-ce que ce serait qu'une entité en sociologie, je ne pense pas qu'on parle d'entité en sociologie. Mais en revanche, ce que disait Butler à propos de la sociologie, c'est que elle part du principe que, ou en tout cas, elle a dans ses fondements le fameux sujet avec un noyau qui serait un noyau d'action sur lequel on accroche des attributs. Je ne sais pas si c'était exactement ça ta question. Peut-être que je suis un peu à côté. Voilà. Et du coup, ouais, Marie, si tu veux vraiment le détail sur ça, n'hésite pas à aller voir la vidéo. C'est tout ce que je pouvais faire pour l'instant de plus pointu sur la question et l'opposition. Voilà. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Je me demande si vous êtes en train d'écrire et de poser des questions ou pas. Éventuellement, s'il y a des questions auxquelles vous voulez que je réponde et que ça vous vient plus tard ou que j'ai coupé avant parce qu'il y a un décalage, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo et je répondrai plus tard par écrit. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là et je vous mets dès que possible en disponible l'audio du texte de Foucault pour que vous puissiez l'écouter. Non, pas de problème, Iris, il n'y a aucun souci. N'hésite pas si tu veux écrire ta question et la préciser un tout petit peu plus, ce que je ne suis pas tout à fait sûre de à quel niveau je devais la comprendre. Voilà, ah, on attend Foucault avec impatience. Voilà, et ben avec impatience dans 2 semaines. Et bon week-end à vous. Merci encore d'avoir assisté à ce live. Désolée pour les petits problèmes de connexion, je ne sais pas à quoi c'était dû. Voilà. À bientôt et bonne soirée.